On va passer en live. On se fait colote par Hello aussi. à tous, euh, hello <laughs> le chat. Euh, alors je hello. sais que c'est 20h30 ou 21h, ai je sais plus. Alors sache que c'est 20h30, mais, mais des fois, notre on santé. prend notre temps. On prend notre temps. Ouais. On prend notre et temps. Nous, on on, a on a tellement on de sujets. On à... tard pour se retrouver en plus. On discute quand on a besoin, tu vois. Voilà, ouais, parce euh, que des fois, on se voit pas pendant une semaine et en fait, du coup, on a des choses à dire. Il faut lâcher la pression, faut lâcher la pression de commencer. Euh, salut Srilumpa. alors attendez il y a qui a oui, ok. Uh, Srilumpa. Just Dantes où j'étais bâtard direct. Où, où... Just Dantes il a juste dit, je passe une tête rapidement. Ma première réaction, c'était, ok, rien a branlé. tu stop jusqu'au au bout. Bah, non, bah, tu, hein. tu te colonnes à la gueule, quoi. Bah, ouais, ouais, bah c'est normal. <laughs> salut, non, mais ça, Nica, Salut, Akinane, Bion... Salut, Bion... Sayana, Bion... Euh... Ah, merci John Bion... ouais, Salut, 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 merci Salut, 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 merci Salut, 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 donc, je sais bien qu'il va y avoir des euh, fans euh, de ce film. Un film euh, Après, qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde, un peu trop d'ailleurs, peut-être. Je sais que c'était le film préféré de Karim. Hein. On parlait de top, de top 100, les oui, trucs comme ça. Je pense que Karim, il l'aurait foutu dans le top 1. <laughs> mais oui, il y a 20 ans. Hey, je veux dire, tout dépend quand. Ah non, non, tout de suite, hein, même non, je pense encore. Ah je ouais. Lui demander, hein. maintenant, là, mais... il... ouais. maintenant là. Tu, tu... Je l'appelle si tu veux et il te dit hein. direct, c'est ah, <laughs> euh, ok 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 donc on a tout le monde bon écoutez si, si vous êtes prêt moi je suis chaud pour déjà commencer. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Une idée toute bête, que ferions-nous face à une invasion d'aliens à 7 heures du mat alors qu'on est encore en slip dans le lit Donner 75 millions de budget et vous voilà avec quasiment un milliard de dollars au box office mondial en 96. Longtemps le deuxième plus gros succès après Jurassic Park, Independence Day de Roland Emmerich a marqué la culture populaire des années 90 avec des scènes de destruction massive, son casting iconique, ses punchlines teubés et ses valeurs universelles comme l'amour, le partage et éclater la tête des envahisseurs. Mais cette simplicité peut-elle tout pardonner Je suis Luc Lolidec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Indépendance Day de Roland Emmerich mérite la chististe. Je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward Bonsoir Marvin Bonsoir, c'est pas simple en fait hein. en plus hein. un Mais non c'est pas simple C'est dur à analyser du monde C'était oui. pas facile Et il oui. du podcast Le quoi Pop, salut Manu Oui bonjour Et avec nous aussi Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18, salut Mathieu Bonjour l'humanité, bonjour l'humanité, <laughs> allez avant de commencer on va faire peut-être un, un, un petit tour sur, euh, sur la carrière de, de Roland Emmerich que, que je qualifierais un peu le, du Luc Besson allemand, un spécialiste du gigantisme et de la destruction massive, c'est un mec qui veut remettre au, au grand jour le grand spectacle du cinéma des années 70 comme la tour infernale, c'est un réal que j'aime pas moi perso mais que je respecte en fait parce qu'il se compromet jamais, il dégage aussi une énorme sympathie puisqu'il parle énormément de cinéma, il est assez franc sur ce qu'il aime ou non et il est Bien sûr, super humble. Faut l'écouter en interview, c'est incroyable. C'est un énorme fan de la technique au cinéma. Il n'hésite pas à utiliser toujours les dernières techniques mises au point pour faire des films, mais avec des fois bah, perte et fracas, mais toujours avec une certaine panache. Il y a toujours un design, un plan, une punchline qui marque. Réalisateur né et produit en Allemagne à Stuttgart en 55, issu d'une famille d'industriels extrêmement aisés, il a voyagé, il a voyagé énormément aux États-Unis lors de son adolescence, et il devient fan de la culture et la coutume américaine. Passionné de cinéma et de dessin, il poursuit son cursus scolaire dans l'université de télévision et film à, à Munich. D'abord parti pour être directeur artistique, il préfère finalement étudier le métier de réalisateur, malheureusement comme plein de réalisateurs de son âge, à cause ou grâce à son visionnage de Star Wars et en compte du troisième type au cinéma. En 1984, il sort son film de thèse, un film de, de techno-thriller SF tourné en studio qu'il réalise et écrit. Donc c'est The Noah's Arc Principle, financé à hauteur de 9000... Dollars, grâce aux amis de papa et surtout le producteur de chez Constantine Films, Bernd Eichinger, qui va financer et pousser le film à être projeté au Festival du film de Berlin en 1984, alors pour un film de thèse c'est quand même la classe. Euh, le film va être reconnu pour ses aspects techniques mais n'aura aucun prix. Suite à ce succès d'estime, il va lever des fonds avec sa sœur, avec Uta euh, Emmerich, pour monter leur boîte de prod Centropolis Entertainment, où Roland va pouvoir réaliser deux films d'horreur fantastiques et un film de SF, euh, Joey, Hollywood Monster et Moon euh, 44. Entre, euh, entre 1285 et 90, qui sont tous des merdes, mais <laughs> avec panache, avec panache encore une fois, dont, dont Joey qui est une espèce de, de rip-off de poltergeist et de E.T., de e. un petit peu dans l'idée. Euh, donc, ça sera tous, ils sortiront que sur le territoire allemand en langue allemande. Donc, il faut bien voir en fait aussi qu'il était déjà un petit peu, euh, comme Luc Besson en fait, dans son début de carrière avec ce bois et tout le bordel, il était déjà un petit peu trop décalé par rapport en fait euh, au cinéma allemand. Très artiste et très social. Et euh, ouais. du coup, en fait, il va avoir cette envie de se barrer. Et c'est dès le début des années 90, il est contacté par le producteur de James Cameron et Paul Verhoeven, Mario Kassar. Auréolé du succès de Terminator 2, il va proposer à, à Roland de travailler avec son compère scénariste Dean Delvin, de travailler sur un projet appelé Isobar avec Stallone en rôle titre, qui sera abandonné. Mais Kassar lui file in extremis le poste de réalisateur pour peut-être le chef-d'œuvre de la connerie. Universal Soldier, un film d'action SF avec J.C.V.D. et duff Lundgren qui sera un succès de malade, surtout en VHS. et deviendra un film culte des années 90. Nul à chier comme film, hein. mais, euh, mais je sais que Mathieu, Mathieu, c'est voilà, c'est un fan, c'est un fan. un le... camion et un bus, ça va. c'est pas, pas le c'est pas le meilleur de la saga en plus. Non, ah non, non, je... non, non non en plus c'est celui c'est ceux qui est sorti 10 ans 15 ans plus tard avec ouais, ouais, est ouais, qui est sorti ouais. il n'y a pas si longtemps que ça ouais, mais... c'est ça en plus S'ensuit ouais. mm. le film Stargate avec Kurt Russell en lead cast et euh, James Spader en, en en Google qui était aussi un gigantesque produit transmédia d'ailleurs le film a fait un carton la série dérivée <laughs> compris, là, aussi là. mais il devait y avoir aussi un jeu vidéo qui était produit et, et développé par Bethesda qui ne s'est jamais fait euh, Independence Day arrive lui 3 ans Ça aurait plus tard, été à... super chiant Stargate par Bethesda Alors, genre vrai, Starfield un peu ah ouais, t'imagines déjà Starfield. Ah ouais. ouais. <laughs> D'ailleurs, je mets au défi quiconque a joué plus d'une heure à Starfield. Contactez-nous, envoyez-nous un je mail. Crois fait, je crois que j'ai fait deux heures, deux heures. On parle des, des années 90, hein, je sais pas ce que ce que valait se plus. Ouais, c'était pas, pas les mêmes. Ouais. Ouais. Ah, oh, oui, ça va? Non, comme il commençait, il se touchait quand même. Independence Day arrive, lui, trois ans plus tard, et on va se concentrer dessus, donc, dans cette émission. Et je vais pas aller plus loin dans sa film mais on peut, on peut citer quand même Godzilla, The Patriot, The Day After Tomorrow. On a 2012 ah oui. aussi, et dernièrement, c'était Moonfall, et aussi la série. Euh, la série et aussi, 2 euh, Les White House Midway, ah oui, c'est lui on. aussi. ça ah, Midway, oui, 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 Midway, oui, oui. Midway c'est son Pearl Harbor un peu. Ah, c'est son Pearl Harbor qui ouais. Ouais, ouais, ouais. a eu une, une, une énorme <laughs> campagne promo Midway, pour quoi. finalement se faire, se faire planter. Euh, ah. il, a, il a là dernièrement, il était sur la série. Euh, euh, le truc des, horrible des, là. De, de, oh, sur Prime. Zeus About to Die. Euh, ah, il ouais. C'était horrible. Nous, on oh, s'est arrêté à 10 minutes. C'était horrible. Pareil, vraiment, on s'est dit non. Au début, disais pour le LOL. Et non, en fait, même pas pour le LOL. Non, mais même pas pour le LOL. Et euh... tu as regardé toute la saison, je te vois rigoler. Là. Ah non 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 non, <laughs> non 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 j'ai même pas, pas lancé. Que... Euh... Il allait dire ah, derrière, il fait. fait non mais vois pas le problème. Non non, non j'ai pas lancé, j'ai pas lancé du la tout. La j'ai vu le truc. Euh, euh... <laughs> j'ai pas vu la diff, j'ai pas vu la diff. Euh... Ouais, vu. Alors chose assez surprenante en faisant mes recherches vis-à-vis -vis de la, sa carrière et Filmo en fait, Roland Emmerich est, euh, est progressiste, démocrate et activiste pour la cause euh, LGBTQI+. En fait, il est gay, mmh. il est marié, il a participé en fait à plusieurs campagne de levée de fonds, notamment pour le Parti Démocrate. Et euh, il, a fin... il a financé à hauteur de, je crois, 200 000 dollars euh, un projet de sauvegarde de films gays et lesbiens, en fait. Et euh, Il a même imposé fait... un personnage gay dans Independence Day, Résurgence. Ouais. Euh, c'est ça, exactement. Ouais. Ce qui n'était pas facile à imposer, d'ailleurs, d'après ce que j'ai bah, vu. Il a imposé beaucoup de choses. Euh... Sur Will Smith, par exemple, mmh. dans Independence Day, c'est pareil. Euh, la Fox n'en voulait pas. Et c'est lui qui a menacé, en fait, de se barrer chez Universal avec son projet. Parce que c'est euh... un en remis une blague, non euh, Ouais, alors c'était... Su c'était à peu près ça mais c'était encore pas en fait au moment du tournage et au moment du casting ouais, Will je... Smith n'était encore qu'un acteur de série en fait, il avait fait quoi. que Bad Boy je crois habituellement ouais, euh... c'est tout hein. mais c'est ouais mais Bad Boy est sorti on savait pas en fait ce Bad Boy sorti ah, pendant, oui, pendant la prod ouais. du film en fait donc il y avait il y avait pas ce... on n'avait pas encore cet engouement pour Will Smith mm. et euh, tiens fun fact aussi il a refusé de tourner Transformers parce qu'on lui avait proposé de tourner Transformers Dieu merci. et en fait il ah trouvait ouais. l'idée de robot et voiture complètement con. Il le dit en interview, c'est incroyable. Ah il, oui. il, il est là il est en train ah de est dire, je voyais pas l'idée. <laughs> il a une filmo tellement fine. et, <rire> <rire> tu vois, non, non, mais... et Après il fait non, Moonfall. Non. <laughs> par contre, non. par contre il dit, il dit Michael Bay. Monde, Michael bah, bon. Michael bah, bon. par contre il a fait un super boulot. Tu vois, il a dit, par contre il a dit, putain Michael Bay, il a compris. Enfin ouais, moi je, ouais, je trouvais que c'était vachement La lune qui se crache. La lune qui se crache sur la Terre, par contre c'est con. Ça va, quoi. Alors, oh, non, ça, ça se tire, ça se tire. Oh, alors, se tient. votre relation, vous, au cinéma de Roland Emmerich Et je vais commencer avec Mathieu. <laughs> euh, bah, ça a commencé très tôt avec, euh, avec Roland. Euh, je, je crois que son premier film, je ne sais si c'est euh, Unisol ou si c'est euh, Indépendance Day, mais je, je crois que c'est Indépendance Day. Un, je, ra je raconterai après un peu la, la relation que j'ai avec ce film. Mais c'est quelqu'un, je n'ai pas. Euh, en fait, c'est un peu comme ce que tu disais. J'ai du mal à le détester parce que c'est des trucs. Enfin, pour moi, c'est un cinéma à voir quand à 12, 13, 14 ans. Euh, sinon, après, c'est un peu plus compliqué. Même dans ces derniers, c'est-à-dire les 2012, des machins comme ça. Enfin, voilà, ouais. c'est vraiment des trucs qui sont un petit peu compliqués à suivre si, si t'es pas voilà, un jeune qui vient tout voir, voir tout péter. Mais ouais, ouais moi c'est quelqu'un. je suis un petit peu la carrière, mais franchement maintenant j'y vais. Je trempe d'abord euh, un ou deux orteils pour être sûr. Parce que genre Moonfall, je l'ai toujours pas vu. Parce que je, ça a l'air tellement, euh, tellement con que j'ai ouais, du mal à me dit. le lancer. Euh, il faudrait vraiment me l'imposer. Et... Mais je le déteste pas. Donc euh, des fois je suis. Ça pourrait des fois donner. Tiens, pourquoi pas un petit film catastrophe sympathique. Euh, voilà, moi j'aime bien Universal Soldier et ça a permis d'arriver justement à l'excellent. Euh, euh, jour du Lulman, je crois, ce sera ouais, le, le jour jour dernier nuit. avec euh, Scott Atkins qui est vraiment, vraiment excellent. Donc il faut être patient parfois avec les sagas. Donc euh, voilà, c'est pas un mec que je déteste, mais. Ouais, euh, six euh, films. <rire> voilà, <rire> en six films, tu il faut y aller tranquille, voilà et, euh, ouais. du calme. Du calme. Il <laughs> y, y a au moins un grand film dans la saga, c'était pas le premier effectivement, mais voilà, c'est pas un mec que je déteste, mais je suis étonné qu'il arrive encore euh, à produire des films après des. Franchement, euh, le Résurgence, c'est une catastrophe ambulante. Enfin, tu dis d'avoir autant de budget encore, d'avoir des copains, je pense, à Hollywood pour lui permettre d'avoir des bah budgets. Non, mais c'est qu'il a sa boîte conséquent. de prod, il a, il a des fonds, en fait. Il a des fonds D'avoir les ça, fonds, en fait. ouais, Donc, parce wow. que les derniers sont assez euh, tendus, quand même. Quoi. Mais voilà, je le déteste pas. Il ne le déteste pas. Manu, ton côté moi, bah, tu vois, tu as cité, euh, as dit euh, Luc Besson allemand en intro, et euh, un peu comme Luc Besson. Sans les casseroles. Sans les cinéma. casseroles. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais un peu lui, j'avais accroché à son cinéma dans les années 90, quoi, quand j'étais encore jeune et peu, euh, peu cinématographiquement cultivé, et que, en effet, j'avais l'âge pour apprécier ce genre de film sans trop réfléchir. Je pense que le premier que j'ai vu, c'est Universal Soldier, et les deux qui m'ont le plus marqué, ça reste Stargate et Independence que j'ai découvert à peu près à la même époque une euh, dépendance d'ailleurs, je, je m'en souviens, j'avais eu la VHS en cadeau d'anniversaire en rentrant de l'école le midi, tu vois, j'étais pas à Souvenir. Pas ouais. ah, tout mais, euh, mais Stargate aussi, qui a en effet lancé derrière une franchise euh, série que hum. Emmerich n'assume pas. Hein. Enfin, c'est pas pour lui, il a rien à voir avec la série. Il a juste créé le film de base et c'est le studio qui a fait ça derrière. Il voulait même rebooter, afin faire un Stargate 2 euh, dans les années 2010 euh, pour, euh, pour faire suite au film sans en prendre en compte la série et tout. Mais, euh, mais j'ai rapidement lâché. Alors en plus, euh, on, parlait de, on parlait de Transformers, c'est du fait que c'est débile. Mais aussi, si on regarde bien en enchaînant Stargate et, et une dépendance c'est quand même deux films de suite où tu as un artefact alien dans une base secrète militaire et qui va aller envoyer des gens dans l'espace pour sauver l'humanité. Avec volonté de nuke des aliens dans l'histoire. Et derrière, c'est Godzilla. Donc bon, euh, l'imagination. Là, 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 mais en effet, en plus, c'est un... C'est particulier parce que euh, résurgence t'en parlais, euh, indépendance d'A2, du coup euh, c'est vraiment de la merde. Mais dedans t'as des idées hyper intéressantes oui. qui sont juste hyper mal exploitées. L'idée des deux races aliens, de, 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 de cette espèce de, de recherche d'alliance et tout. Mais, euh, mais après c'est souvent très débile. Enfin indépendance da on va en reparler. Il euh, y a beaucoup de trucs que ça tient pas, ça tient pas trois minutes quoi. Mais euh, j'ai rapidement arrêté de suivre ta carrière, je pense. Euh, Godzilla, je l'ai aimé parce que je connaissais pas Godzilla à l'époque. Euh, dès The Patriot, ça a commencé à craquer, je pense que... Ai <laughs> tendu, étais des derniers J'ai vu le jour d'après, Je trouvais ça ok en me disant ouais, si j'avais été jeune, j'aurais apprécié. Et le dernier que j'ai vu, c'est White House Down, tu vois. Et White House Down... Euh... C'est vrai qu'il oh, y avait bon. ça aussi. Euh. Enfin, monsieur le Président, euh, vous pouvez aller vous faire foutre. foutre. C'est moins bien que la franchise parallèle avec Gérard Exactement. C'est ouais, 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 moins, hein, bien. C est c est moins bien que les trucs d'Antoine Fuga, tu vois. Genre, euh, ouais donc un peu chaud et ouais euh, derrière quand il fait des trucs comme Doomsday euh, comme euh, Midway ou euh, ou Moonfall ça donne pas envie quoi Ça a l'air ah, de plus en plus débile en fait je sais pas si que je suis de moche. plus en plus vieux et du coup euh, je ouais en plus en plus moche et moins de moins en moins poussé en fait dans ce que ça essaye de développer donc euh... bah, après, moins impactant je les ai pas ouais. vus, je moins mais euh, mais voilà donc euh... Je suis resté dans les années 90 avec lui pour apprécier ses films et j'apprécie tout ce Après, il se fait vieux, hein. Il a quasiment, il a passé à la 65 ans, hein. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est vrai qu'il est moins frais que quand il était débarqué sur sur Indépendance Day, quoi. Euh, et Marvin pour finir. Bah euh, après, c'est un peu comme vous, je pense qu'on a tous plus ou moins en fait la même euh, la même vision du truc, c'est-à-dire que bah c'est un mec sympa, quoi. Et c'est un des trucs qu'on voit en premier. Déjà, il s'appelle Roland. Non. donc déjà, bah déjà c'est sympa, sympathique il... ah ouais, tu as l'impression qu'il est sympa tu vois et... mais en vrai t'as raison Luc quand tu regardes ses interviews quand tu regardes les making of et tout c'est un mec t'as l'air de parler avec lui elle ouais, ouais. a l'air de s'amuser elle a l'air de s'intégrer euh, presque trop à la culture euh, qu'il a adoptée tu vois genre il y a plein de trucs comme ça donc euh, bah c'est un mec sympa mais être sympa c'est pas un métier quoi donc euh, bah, du coup au bout d'un moment ça <laughs> ça se voit parce que c'est aussi ça son problème voilà je pense que euh, Roland Emmerich c'est un révélateur d'un truc important c'est que bah, euh, être passionné par la pyrotechnie et par la, par la destruction, c'est pas un truc qui se fait sans talent, en fait. Ouais. Et euh, ça se voit en regardant la film de Roland Emrich. Malheureusement, ça manque, euh, ça manque beaucoup de, de, de panache, de rythme. Et finalement, c'est rarement si spectaculaire que ça. Donc, il euh, y, y, y a un truc un peu ambivalent comme ça chez lui. Mais ouais, c'est un mec sympa, surtout, euh, surtout dans les années 90. Quoi. Voilà, Il y a quand même quelques trucs, c'est difficile d'être passé à côté de. Oui, d'indépendance dead, de Stargate ou même de Godzilla quand il est sorti, parce que euh, c'est des films en plus qui étaient des, des ouais, monstres de promo. Ah, ouais, c'est incroyable, ouais. fou, hein. Donc voilà, on pouvait pas, on pouvait pas passer à côté. Après, il a une, il a une première partie de carrière alors que j'ai découvert sur le tard, hein, parce que quand on s'est mis à rééditer ces films allemands, je me suis dit, on ne sait jamais, il y avait peut-être quelque chose, la <laughs> graine d'un truc. C'est horrible, euh, c'est horrible. Et puis sa fin de carrière, euh, euh, ouais, euh, on va dire. Euh, entre ses propres fonds et euh, un bout de l'industrie hollywoodienne est un peu triste quoi, hein, quand même. Et hein. je pense oh, que c'est ce qu'a dit Luc aussi. Il y a bon, l'âge, il, il y a des réals âgés qui font des très belles choses. Ah, Paul de Rover, le, le scarce-tête, il, ouais. euh, il, il est Ouais mais tu vois, en fait. on va en reparler. Ouais, je pense, je je pense, dans le, dans je pense même que quand il était plus jeune, il était déjà... il y avait moins de concurrence dans les il films, spectacle spectacle, tout ça. Il voilà avait accès lui, il avait accès non, voilà. non et puis c'est difficile de placer euh, certains de ces délires euh, pyrotechniques apocalyptiques à côté de d'autres films. Qui, tu vois, on est obligé de citer Michael Bay pour le mettre dans, dans ouais, les et, voilà, voilà. Et, et bah malheureusement la, la balance lui rend pas honneur, quoi. Enfin, euh, c'est hyper compliqué mmh. finalement de faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Il suffit pas de dire je casse des trucs, quoi. La preuve. <laughs> Voilà. donc euh, bon, il est sympa, mais fin de carrière un peu triste, je pense quand même. Ouais, ouais mais il est content que sa série a la saison 2 là, pour euh, hein. ouais, C'est un, un peu genre. comme si Samuel Le euh, était réalisateur, c'est pareil, on n'a pas envie de. de on, du mal. On, a fait, on a fait le truc dans le pareil. groupe, c'est Vesper qui avait dit ça, c'est comme Samuel ouais. Le Voilà. Ouais, non, voilà, c'est pareil, du ouais. bon, bah il est sympa, tu vois. Genre, euh, ouais, il est cool, euh, il voilà. gentil, est gentil. Ouais. C'est déjà pas mal. Bon Oh, c'est vrai, Dans cette industrie, c'est quand beaucoup. même, c'est quand même énorme. Ah, ah, en fait, <laughs> de euh... plus en plus rare. Euh... Ouais, c'est ne pas, euh, Est-ce on... que Roland il utilise une piste de Puff Daddy Je peux te dire que voilà, maintenant, c'est plus compliqué quand même. Ah, euh, ouais, With Ça <laughs> enfin, non, non, on ouais. plus du tout. Non, on, <laughs> non on on peut... arrête. <laughs> Independence Day, sorti en octobre 96, coprode uh, germano-américaine, distribué par la Totis Century Fox, produit par Centropolis Entertainment, avec un budget de 75 millions de dollars et réalisé par Roland Emmerich. Il écrit le scénario avec son comparse Dean qui est aussi le producteur du film. Le chef-op du film est aussi un pote de Emmerich, puisque c'est l'allemand Karl Walter Lindelblop, directeur photo des films allemands de Emmerich, de Stargate et Universal Studio, et aussi du meilleur film d'horreur avec Owen Wilson The Hunting de Yann de Bont, remake assez audacieux du <laughs> film de Robert Wise euh, pour finir à la musique le compositeur c'est audacieux ouais, c'est ça ouais. ah oui il bah, y avait de l'audace hein. <laughs> j'aime ça moi j'aime les mecs qui ont de l'audace alors pour finir à la musique le compositeur David Arnold qui composera plusieurs films de James Bond période Brosnan et Hot Fuzz de Edgar Wright aussi également mm -hmm. Bah, immense... Il a fait quelques autres témoins, c'est lui qui a fait Stargate. Ouais c'est lui aussi ouais, exactement. Alors, ça, ça, indépendance... dans la musique, Ouais, ouais c'est pas le plus mauvais du truc. <laughs> non. Alors, ah ouais. je trouve que c'est assez horrible, mais on y reviendra. Mais... Okay. On ira se battre, on va se battre, on va se battre. Independence Day raconte l'histoire d'une immense soucoupe volante env qui envahit le ciel terrestre, libérant un nombre infini de plus petites coupes qui prennent position au-dessus des plus grandes villes du monde. Un informaticien new-yorkais, David Levinson, interprété par Jeff Goldblum, décrypte les signaux émanant des étranges voyageurs. Et ils ne sont pas du tout amicaux et ces extraterrestres se préparent à attaquer la Terre. C'est alors qu'il va tenter de prévenir le président des États-Unis, interprété par Bill Pullman. Sortant d'une grosse dep après Lost Highway, euh, il y a aussi Will Smith dans le film qui veut devenir pilote de la NASA, sachez-vous. Et on va commencer donc avec Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'on a pensé de Independence Day Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un petit un petit passif avec le film. J'étais, bah, comme beaucoup de gamins de mon âge, le film est sorti en 94. J'avais 12 ans. Non, en 96, j'avais 12 ouais. ans. Donc euh, voilà, tu me vendais des affiches avec la Maison Blanche qui explosait. Il y avait, euh, on l'a dit tout à l'heure, des pubs de dingue sur le film. Donc j'étais vraiment au taquet. J'ai pas pu le voir au cinéma et on m'a on m'a fait miroiter une VHS d'Indépendance d'air en échange de travaux manuels à l'époque euh, quand j'étais plus L'exploitation. L'exploitation. Ça a foutu la, la bagnole. Hein, <laughs> euh, non seulement j'ai dû creuser et porter du sable et, et, et en plus je n'ai pas eu la VHS. Les euh, la euh, donc, ça m'a. J'avais la VHS avec le tu sais, la jaquette ouais, le truc qui bougeait ouais. ouais. Ouais, 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 tout à fait. J'ai fini par la voir après, et donc bah c'est un film quand j'ai vu ça, gamin, voilà, c'était ça pétait dans tous les sens. Il euh, y a un chien qui est sauvé, une extrémiste, ah oui, des incroyable. explosions. Il euh, y a le président qui parle, et puis moi j'avais forcément les, les appuis par rapport à la culture américaine, tout ça, le drapeau et tout. Pour moi c'était un peu un truc universel parce que c'est un peu la la, la planète qu'on sauve à travers les États-Unis. Et, euh, et c'est un film que j'ai longtemps un peu un peu défendu parce que voilà c'était rigolo, c'était un film de jeunesse, et puis euh, et puis, il y, y a quand même, avant d'être méchant, euh, des choses qui, qui. Quand tu le regardes, tu te dis, il y a de l'idée. Voilà, il y a de l'idée. Euh, dans les années 90, il y avait beaucoup, beaucoup de films catastrophes. C'est un peu ce film qui a lancé aussi bah, tous les gros films catastrophes. Je veux dire, à, à mon avis, avec Armageddon, c'est un peu l'alpha et l'oméga du film catastrophe des années 90. Souvent, c'est des films qui ressortent quand on parle un peu des gros blockbusters des années 90. Et Sauf qu'il y a rien qui assume parfaitement d'être un peu con et d'être rigolo et de vouloir tout faire péter un peu dans la joie et la bonne humeur. Et c'est vrai que c'est extrêmement premier degré. Indépendance euh, Day, il y a quelques vannes par-ci par-là, mais c'est un film qui se prend vraiment très très au sérieux. Et c'est vrai qu'en voyant ça, là maintenant, euh, c'est peut-être mon visionnage le plus douloureux du film. Vraiment, je... il y a une sorte de lumière qui est venue, c'est dit, voilà, bah non, en fait, regarde Mathieu, ce, 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 ce film, en fait, il n'est pas. Pas, pas bien bon du tout. <laughs> voilà. Et si on sort vraiment quelques plans des vaisseaux qui arrivent comme ça à travers les flammes, il y a quelques monéchottes qui voilà qui, qui font encore, encore un petit peu de gueule. Tu les remettras un peu en euh, on va dire un peu retravaillé parce qu'en plus ouais, les, les, les effets spéciaux ont particulièrement euh, mal vieilli dans certains plans. Ils sont infâmes, notamment les plans de flammes. Alors, il aime beaucoup quand les flammes les arrivent, euh, ouais. voilà, arrivent ouais. vers le truc ou les voitures qui tombent plus vite fait devant la caméra. c'est assez catastrophique maintenant. Mais, mais c'est vrai que là en 2024, je me dis maintenant quelqu'un euh, en 2024, surtout de mon âge, découvre le film, euh, parce que mon fils était à côté et euh, il réagissait à certains trucs, les explosions. Euh, le chien, ah non, le chien, le chien, pas le chien. Genre il a vu plein de gens mourir dans l'explosion, il s'en foutait, ouais, mais alors le, le chien. chien. Voilà, le chien, il fallait, non, le, voilà. il fallait le sauver. Mais ouais, il y a plein de trucs qui... Bah, enfin, fait, j'ai l'air plein de trucs, mais il n'y a quasiment rien de... Qui... qui fonctionne véritablement dans ce film, si tu sors des, des petits détails. Euh, je veux dire entre les moments où il y a la panique où tu vois des gens qui jettent des trucs par les fenêtres tu sais pas trop pourquoi euh, bah, les... c'est la panique y a... la panique a... oh, jette un truc par la fenêtre jette le frigo il <laughs> euh, y, y a des moments euh, complètement euh, à, complètement nawak où tu fais le président genre qui euh, qui je te la joue grosse quiquette avec euh, Jeff Goldblum en mode alors euh, dis nous enfin c'était si malin hein, tu vas nous on va trouver la solution euh, sinon on va tous crever euh, oui, parce qu'il y, devant... y a eu un bif avec eux ouais. déjà, entre Jeff, le personnel de Jeff et, euh, et le président. Ouais. Il y a eu une bagarre. Un début une bagarre. Euh, le, le coup du « on va trouver le virus parce que son père lui propose de mettre un pull ». A... Voilà, on, on est sur des, sur des, des délires de scénarios qui ne fonctionnent vraiment, vraiment pas du tout. Et, et c'est vrai que si, soit tu le regardes au premier degré, et franchement, si tu l'apprécies au premier degré, ça commence à devenir un petit peu chaud de se dire Ouais, j'aime vraiment bien ce film parce que euh, il est bien fait, parce que les effets spéciaux, parce que les acteurs, parce que l'histoire est cool, etc. Mais, ou alors tu décides vraiment de, de, bah, de, de regarder un petit peu ce qui se passe et tu te dis Ouais, ça marche au deuxième, troisième, voire quatrième degré euh, sur des moments. Enfin, le fameux discours du président, c'est juste, euh, voilà, juste le, 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 le pinacle du truc. Il euh, y a quand même aussi un moment pour représenter euh, l'Afrique. J'avais complètement oublié ça. On a une tribu euh, qui lance <laughs> des flèches avec euh, des petites. Alors, on un dans le deux. C'est. Enfin voilà, on était déjà dans le délire. Euh, dans le délire, voilà, les États-Unis sont hyper équipés. Par contre, le reste du monde, on va les aider parce que c'est compliqué. On va leur donner la solution parce que sans nous, ils n'y arriveront pas du tout. Enfin, voilà, c'était euh, compliqué à plein de niveaux. Je parlais de la musique, je te la sauverai un petit peu parce que je trouve qu'il y a des thèmes comme ça qui fonctionnent un petit peu pour représenter les gentils et les méchants, voilà, très SF, euh, SF classique, mais je trouve que la musique n'est pas, est pas dégueulasse. Et on a des acteurs qui ont le mérite d'avoir du charisme et qui permettent quand même d'avoir euh, quelque chose. Alors, je pense notamment à la transformation en, en, en badass. De Jeff Goldblum qui passe du mec qui, euh, qui joue aux échecs au mec qui marche à la fin dans ouais, le ouais. désert en remuant les cigare, épaules en ouais. emballant sa meuf avec son gros cigare. J'y vois le mec s'est transformé euh, vraiment euh, au fur et à mesure du film. Mais euh, c'est très balourd. Je me rappelais plus que c'était aussi long aussi à se mettre en place. Euh, mine de rien jusqu'au moment où le le chrono s'arrête pour faire échec et mat euh, histoire qu'on comprenne bien comment ça se passe dans le film. Euh, c'est très très long. Euh, et et n'oubliez jamais, si vous avez en, un jour envie de percer dans la NASA, vous n'y arriverez pas si vous comptez épouser une stripteaseuse. Ça, c'est important. Euh, voilà, il faut le savoir, faut le savoir aussi. Voilà, je voilà, fais voilà. de la danse exotique. Voilà, ce que je fais de la danse <laughs> exotique. Ouais, je ne je sais pas s'il euh, faut y croire à cette théorie. Je, je, honnêtement, je me pose encore la question. Je, je sais pas. En donc, cas, donc ouais, c ça, a été, ça a été douloureux. Ouais. C'est vraiment douloureux et, et je suis vraiment tombé de haut parce que, encore une fois, je le dis, je l'ai même encore. Je crois que j'avais refait un, un enregistrement il n'y a, a pas si longtemps où j'essayais quand même de le sauver parce que mon petit cœur d'ado euh, voilà, aimait bien ce film. Des ouais, fois, bah, il ici, abandonne-le sur la route. Hein, parce que, putain. Et, mais là, ouais, non, il faut être honnête. À un moment donné, tu peux en, on peut en rigoler. Euh, on peut s'amuser de certains trucs, mais ouvertement, il euh, y a beaucoup trop de problèmes et il n'y a, a pas forcément grand chose à sauver. Même dans les séquences d'action avec les, les avions, etc. Il y a quelques jokes qui me font rire parce que voilà, quand le mec va décide de se lancer dans à se suicider machin oui. en plus t'as tout le monde qui applaudit quand il est mort t'as le gamin <laughs> qui est à un moment il y a le mec qui fait ah c'est ah, ton père euh, voilà, <laughs> pouvez, tu peux être fier alors, de lui alors c'est un alcoolique le mec il savait même pas ce qu'il faisait en fait ça se trouve, tu vois, ah non mais il vois. est bourré euh, du il début, avait euh, arrêté du il début, avait début, il arrêté de, peur, de boire ça. à ce moment là Cinq ah, minutes ouais. avant ramène moi deux cafés je peux piloter un avion t'inquiète pas ça va le faire ouais donc euh, voilà c'était c'était une redécouverte euh, et ouais ma pire mon pire visionnage du, du film ouais, chaud. Euh, le pire visionnage est-ce que tu penses que ça reviendra est-ce que tu penses que ce sera réversible un jour non non, il bon. euh, y, y a des films où je sens que ça dépend vraiment de la manière dont tu regardes. Tu dis, bon, là, j'étais un peu énervé, etc. Là, j'étais vraiment en bonne condition. Euh, je l'ai regardé en deux fois parce que euh, j'étais un petit peu claqué. Puis avec le petit, ça long. me faisait un petit peu rire de le voir. Et ouais, 2h20, j'avais zappé aussi. Et je crois, tu as dit que c'était la version longue que tu avais en Blu-ray. J'ai euh, vu la version et... qui dure 2h34. Et, wow. et bah écoute, c'est la durée, wow. là. Il y a des... Je me rappelle... Plus de certaines scènes. Et en fait, déjà à l'époque, la VHS, c'était la version longue, la VHS qui ah, okay. brillait. D'accord. Je me bah souviens, ça arrivé très pas. vite. Et Super. Mais ouais, ouais, non. Là, ça ne sera pas. Voilà, il y a des films. Je sais que c'est en fonction du. Euh, en voyant, je suis très content. Mais là, c'était tellement euh, pénible à certains moments que, euh, mis à part vraiment certains détails, vraiment nanardesse parce qu'on est vraiment dans le nanar. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que premier degré à... arrive un moment. Voilà. Il y a des saloperies que j'aime bien, que j'arrive à défendre. Mais c'est vrai que as des films comme quand Même où tu ressens que euh, aimer euh, très premier degré, surtout arriver à un certain âge, alors je ne juge personne, il y a vraiment des trucs dé dégueulasses que je peux supporter. Là, sur Indépendance Day, ouais, au full premier degré, dire que le film est voilà, c'est quand même un super bon film et qu'il y a des choses incroyables dedans, c'est compliqué. Euh... Et des fois, ouais, voilà, il faut, il faut se réveiller. Et là, je me suis réveillé. C'était <laughs> 2h34 d'alien de discours américain et tout. Imagine un, un, jour, un jour, il regardera Commando pour la 101. Non non, 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 ouais. non. Et puis, ça va changer. En fait, c est c est... Merde. <laughs> mais c'est. <laughs> jamais. Bon, on, est déjà passé, on est que... déjà passé mais... l'autre côté, Mathieu. Nous, on est déjà passé l'autre je... côté. Non. Mais je, suis, je suis conscient de ce que c'est, Commando, justement. Je et, je je... et jamais je vais dire que je vais aimer euh, Commando, fou premier degré, parce que c'est un, un des meilleurs films du monde. Sauf que là, il y a vraiment euh, trop de trucs qui font que je m'amuse pas forcément tout le temps. Commando, c'est un truc d'une heure et demie complètement, euh, complètement fou. Tu vois, c'est écrit dans, dans tous les sens, ça part, ça balance des punchlines, ça tue un peu tout le monde. Là, il y a vraiment en plus, voilà, en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, il y a quand même des trucs bien cracra maintenant, même si, franchement, à l'époque, il faut respecter le truc, franchement, à l'époque, il y a des effets de maquette quand même qui fonctionnent sur quelques ah ouais. trucs. Euh, techniquement, c'était. Euh... Surtout pour l'époque, ce système de blockbuster, il n'avait pas tant que ça. C'est un non. peu un truc concept les où euh, aussi, les aliens ouais. débarquent, euh, voilà tout ça. Donc, il a quand même lancé vraiment toute une mode de gros films de de, de, de blockbuster comme ça. Alors, du coup, ça, ça, a un petit peu lancé le pire, peut-être, mais ça a quand même lancé cette mode des gros blockbusters avec euh, un des très industriels, avec plein de qui voilà, de travaillent derrière, euh, avec des ouais, énormes et équipes. As, hein. euh, souvent des, parce que même si on dit effectivement on n'a pas de Will Smith, que c'était un gros casting à l'époque, ça l'était pas du tout. Euh, donc mine de rien, le, le résultat à l'écran pour l'époque était quand même assez impressionnant il y, avait, il y a quand même quelques astuces de mise en scène et de maquette qui, euh, qui étaient plutôt cool mais, euh, mais le, là on sent que ce type de film a vraiment évolué avec le temps et, et on peut pas regarder une dépendance dire en ayant vu plein de films catastrophes qu'on suivi après en se disant voilà, euh, on peut respecter le travail pour l'époque, mais il faut clairement se dire qu'il ouais, y a eu largement mieux depuis euh, et que ouais, c'est peut une étape des années 90, mais c'est compliqué à se dire que voilà, encore maintenant, une dépendance d'être la dragée haute euh, à ce type de production. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas, c'est une déception pour Mathieu. C'est un, un, ouais, ouais, un clou ouais, dans le cœur. C'est un réveil brutal. C'est un réveil brutal. Par contre, c'est vrai que tu as raison pour ce que peut-être se pencher sur la technique. Il y a un gigantesque travail de maquette hein, d'Olivier Scholl et, euh, et de, aussi de travail de pyrotechnie. Aussi pour, la pour les explosions en réel, la pyrotechnie pour la Maison Blanche par exemple et différents plans d'explosion à grande échelle, qui est géré par euh, Bob Emerson qui était sur, euh, aussi sur euh, les explosions de Terminator 2. Euh, C'est vrai qu'aussi, là on commence à être sur les films euh, qui, qui, qui en embrayent le pas sur Jurassic Park en fait, qui vont avoir des plans avec trucage. Et là on est sur un film avec 3000 plans avec trucage. En majorité, ils sont quand même concentrés sur des effets spéciaux en dur. Plutôt que des effets visuels euh, générés par ordinateur afin d'économiser un peu le budget. Et c'est un, un peu aussi de, des tests aussi qu'ils qu qu appliquaient aussi d'effets de, de, visuels qui est d'ailleurs sorti la même année que Twister. Donc il y a aussi ce côté un peu. Wannabe démo technique, quoi, euh, pour montrer mm. un peu là, on peut aller encore un peu plus loin, quoi. Et euh, un truc important, c'est que le design des aliens et des vaisseaux, c'est géré par euh, le franco-grec Patrick Tatopoulos, qui oui. était connu euh, pour son oui. boulot sur Dark City, sur Seven, et aussi il a travaillé donc déjà avec euh, Emmerich sur, euh, sur Stargate, et euh, il travaillera ensuite sur Final Fantasy, d'ailleurs les créatures de l'esprit, c'est lui qui va gérer les, les aliens. Il va faire aussi les, euh, les monstres de Silent Hill dans le film et euh, par contre bon, euh, il continue sa carrière avec Zack Snyder euh, actuellement voilà, c'était pas forcément le meilleur choix de ah carrière oui. mais bon et il a réalisé Underworld 3 voilà exactement ah ouais. ça faut pas l'oublier on peut voir ouais. sur Underworld hein, jusqu'à Rofan Mitra ouais bah un jour ça arrive. c'est hein. Underworld sans Kate Beckinsale du coup c'est très préquel Déjà, c'est pas ouf. Okay. Hein. Déjà, il voilà. n'y bon. a plus l'intérêt qu'à Beckinsel. Toujours, que, qu euh... toujours euh... plus de... Alors, le, la légende de la conception du film vient en fait de, donc de, de, de Roland Emmerich. Hein, lors de la tournée de promo en Europe de Stargate. On lui a posé la question en fait de... Euh, alors pourquoi faire un film avec des aliens alors que, qu, qu, que vous ne croyez pas à l'existence de, de ces aliens Et en fait, c'est alors qu'il s'est penché justement avec Diddelvin et il s'est dit... Eh, en fait, peut-être qu'on pourrait faire un truc justement où... Du jour au lendemain, tu te réveilles et t'as des aliens qui débarquent et tu euh, genre tu regardes le ciel, en fait t'as un putain de vaisseau qui prend tout le ciel. Et ça à partir de ce moment-là, en fait, qu'ils ont développé le projet euh, avec, bien sûr, euh, en fait. Et ça, c'est Roland Emmerich le dit tout le temps, hein. Lui, toutes ces histoires en fait ne sont que des archétypes. Il va se concentrer vraiment sur le spectacle. Il s'en fout en fait vraiment de la profondeur et tout ça. C'est vraiment, il se dit, je parle des archétypes pour assurer un truc ultra efficace. Et voilà, on va construire le film comme ça. Euh, et bah, le résultat, c'est une dépendance mais même quasiment tous ces films. Il y a juste une idée globale. Voilà, en fond, Un concept, ouais. Un concept, et, euh, et voilà. Puis après, il déroule, quoi. Il déroule, et des fois, bah il se retrouve, des fois, avec des. A tellement déroulé qu'en fait, il se retrouve, des fois, avec des pièges. 2012, par exemple, on a le premier. Enfin, vraiment, la 30 minutes où c'est explosion, euh, c'est le bordel. Puis, euh, t'as une heure et demie de base, on s'en bat les couilles. Enfin, voilà. Fin, des fois, oui. il déroule tellement qu'il on est, on est, est québécois dans son propre truc, quoi. Euh, Le film a été extrêmement rapidement greenlighté en fait, parce qu'ils ont, ils ont marché. Je crois qu'ils ont fait 4 mois. Quatre mois en gros pour dire on fait le scénario, on essaie de voir. Et euh, en fait, ils ont proposé, ils ont balancé le scénario en fait sur le marché. Et en fait, il y a eu tous les studios quasiment qui sont venus dire ok, on greenlight. On greenlight, alors déjà ça a été facilité par le fait que euh, eux-mêmes avaient de l'argent pour financer le film. Donc quelque part, en fait, les studios n'avaient qu'à faire le travail de distribution et de com. Et euh, donc, c'est la Fox qui va valider le budget de 75 millions de dollars. Et euh, ils auraient pu avoir d'ailleurs la, la possibilité d'avoir l'armée américaine qui leur propose justement, parce que bon, avec Independence Day, tout ça, ils se sont dit, ah, pourquoi pas, on peut, on peut se mettre sur la prod du film. Sauf ah, parce fait, ils sont ils se bien sont... mis en avant quand même aussi. Hein. Alors, ils sont bien mis en avant, mais sauf qu'en fait, il n'y a aucun asset finalement du, de l'armée américaine, parce qu'en en fait, ils sont dégagés du projet parce qu'en fait, il y a des références. À la zone 51 dans le scénario. Ah oui. Et du coup, eux, ils se sont dit, ouais, pop, tu fais pas chier à Groswell, c'est voilà, c'est secret, tu lui casses pas les couilles. Et euh, d'ailleurs, donc je revenais, mais la Fox ne voulait pas de Will Smith au début. Alors, il y a eu ce côté en fait où tout le monde disait, ah ouais, mais c'est probablement parce qu'il n'était pas connu tout ça. Ok, il y avait ça, mais en fait, le scénariste, donc euh, et le producteur, euh, Did Levine, disait qu'en fait, non, non, c'est vraiment purement raciste en fait. C'est qu'il disait, on, un, un noir américain en héros ça va faire planter le marché, personne va y croire, ça va être de la merde en fait. Et comment veux-tu le vendre en Europe, de toute manière vis-à-vis -vis de ça. Et, euh, et en fait, bah, du coup, ils ont forcé le truc en disant, bah ok, vous refusez Will Smith, nous on va le garder, mais on va se barrer chez Universal. Donc qu'est-ce que tu fais, quoi Et en fait, du coup, bah bon, okay, c'est bon, on, on l'accepte, quoi. Mais finalement, c'est une des grandes réussites du film, je pense que Will Smith, quelque part, il a quand même cette gueule iconique, il avait quand même cette bonhomie, qui fait que oui, ça a fonctionné ouais. quand même, je pense, déjà même sur le marché, mais même en, en tant que film en soi, même si je je déteste le film. C'est quand même un truc qui, qui fonctionne, je trouve, la dynamique. Euh, on va passer à Manu. Manu, qu'est-ce qu'on a pensé Justement, digne de Ouais, ben moi, comme je vous ai dit, j'ai un attachement sentimental à ce film, de mec à cette vidéo, de quand j'étais petit. Mais euh, mais et je et je l'aime toujours assez profondément, mais en ayant un peu plus de recul sur un certain grand nombre de ses défauts. Et c'est marrant parce que bah, je l'ai quand même vachement plus vu euh, en VF qu'en VO. Je ne l'ai pas revu euh, des masses ces 15 dernières années. Il oui, faut que oui. la VF apporte un truc qui n'est pas là en VO, c'est que bah, déjà le discours, euh, le nous allons vivre, nous allons survivre, n'existe pas en VO parce que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes mots. Euh, mais il y a un côté un peu plus second degré, je trouve, dans la VF. Il y a un truc, euh, je ne sais pas, grandiloquent. Il y a voies, la, la voix du pilote, par exemple, le, le pilote euh, d'épandage qui, euh, qui oui. fait le final. Je sais pas, il y a un truc qui fonctionne vachement mieux qu'avec la VO, qui, du coup, a, comme le dit Mathieu, ce côté vachement plus, plus premier degré. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'au revisionnage avec le recueil, il y a des choses que je voyais. que je voyais à l'époque que je trouve plus incroyables. Et il y a des choses que je voyais pas du tout et que qui, qui me sautent aux yeux plus dans des détails de production. Euh, notamment, bah, ou même des détails d'histoire, je trouve... Euh, c'est presque un des premiers blockbusters qui va traiter de qui va avoir un personnage qui essaye de sauver le monde, de sauver l'environnement. Tu vois, on a eu beaucoup de blockbusters euh, Godzilla 2 ou des conneries comme ça qui, euh, qui viennent jouer sur l'éco... Euh, sur le, presque l'éco-fascisme ou écho des éco-terroristes ou des trucs comme ça. Mais à l'époque, on n'avait pas forcément hyper ça. Ce que, ce que je trouve intéressant... Ce que je trouve le plus intéressant dans la prod, et ça, Michael Bell n'aura jamais fait, c'est que les personnages masculins ont des... Euh, ont des love interests qui sont déjà des personnages qui existent en soi et qui sont edge euh, appropriate <laughs> cest c'est-à-dire qu'ils qu n'ont pas, pris des actrices qui ont 15 ou 20 ans de moins que, ce, ce que ce que Michael Bay ben n'aurait jamais fait, ce qui donne un truc au film, je sais, qui, qui l'ancre un peu plus, je trouve qu'il l'ancre un peu plus dans quelque chose qui est, euh, qui fonctionne. Euh, euh, J'avais un autre truc et je l'ai perdu. Ah, Là où Là où le film, euh, je l'appréciais jeune, mais vraiment, vraiment, j'ai du mal avec. Euh, maintenant, c'est que Mathieu a raison, euh, c'est la, enfin, la partie action. Euh, je trouve qu'il y a des, en effet des monnaies-shots intéressants. On voit lesquels il a pensé. On a l'arrivée le, avec les nuages, l'arrivée dans le ciel. On a l'explosion de la Maison Blanche, on a des trucs comme ça. Mais une fois que ces aliens sont là, il ne sait pas quoi en faire, en fait. Et l'action est, est inexistante. Le scénario. Euh, ils, tu te demandes ce qu'ils font en fait, les aliens. Pourquoi ils attendent avant de... Tout oui. tout avant de faire leur invasion Le Air Force One se balade tranquille alors qu'a priori ils peuvent avoir vraiment rien à faire contre leurs chasseurs. Et euh, c'est pareil, l'histoire des satellites à la fin. Enfin, si les vaisseaux sont autour de la Terre, ils ont déjà le lien entre eux. Ils oui, se peuvent se passer par satellite pour faire le lien entre eux. <laughs> Toute cette partie du scénario, quand tu poses deux minutes, elle, 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 elle n'a plus aucun sens. Mais vraiment, le plus. Euh, les combats aériens sont. Alors, non seulement euh, pas bien chorégraphié, mais en plus pas hyper beau. Et, euh, et c'est pareil, ce vaisseau mère qui est euh, tout seul perdu dans l'espace. T'as pas de notion d'échelle. Tu sais pas. Tu sais pas. Il y a que quand le vaisseau, euh, le chasseur approche avec Will Smith et Jeff Goldblum que tu commences à avoir une notion d'échelle. Et là, c'est cool. T'as des belles maquettes, mais tu comprends même pas ce que veut dire le vaisseau. C'est principalement du vide à l'intérieur. Je crois oh, qu'on le voit jamais entier coup. en plus. Non. C'est toujours un pan du Ouais, vaisseau tu vois ou toujours du... qu'un côté ou l'intérieur et encore à l'intérieur, tu vois que la partie centrale. Quoi. Par contre, je te reprends juste sur le truc là. Moi, a... j'ai pensé à un, un détail important c'est qu'il y a une personne qui gère les entrées et les sorties du vaisseau. Mmh. Tous les... Je me dis, faudrait il faudrait qu'il aille conseiller la, la SNCF. Parce que généralement, au niveau de la gestion du trafic, chez moi, il galère pour quelques trains et ouais. ils sont beaucoup. Là, il est tout seul, il gère tout, il est incroyable. T'as vu, euh... vu l'immense cerveau qu'il a aussi euh, là, mais Ah, mais c'est incroyable. On a pas les mêmes. On lui balance une bombe dans la gueule, c'est pas très sympa, mais voilà, respect <laughs> éternel pour son travail quand même. Ah, il met du temps à réagir quand même. Puis il est aidé parce que c'est en mode autopilote. Ah mais... son... D'ailleurs, à la <laughs> fin, c'est bon, pareil, c'est un truc. J'ai jamais compris pourquoi, à la fin, ils attendent 10 minutes avant de faire sauter le truc et de se casser. Ils attendent vraiment le dernier moment avant. De, avant de partir de... toujours 30 secondes. Il faut -dire 30 C'est un peu ce que je voulais ça. dire euh, juste avant la remarque ce que vous en avez rigolé la remarque sur le fait que le pilote peut pas passer à la NASA si euh, il va épouser une strip -teaseuse. Je me demande si c'est pas une façon déguisée de parler de l'homosexualité dans l'Air Force et dans l'armée américaine en l'occurrence ou euh, bah en l'occurrence à l'époque, je sais même pas si tu avais le Dante -Dantel, parce que je pense que c'est Clinton qui l'a mis et que je suis pas sûr que c'était passé à l'époque. Euh, mais du coup, euh, bah, tu pouvais clairement pas, si tu étais déclaré homosexuel, c'est jamais, tu allais, euh, bah, en l'occurrence, tu te faisais même virer de Mais à ah, surtout, surtout que tu as cette vanne avec la bague de Fursaï euh, à ce moment-là. Ouais, ouais. Je me demande si c'est pas sa façon de faire passer le truc dans un blockbuster sans avoir. Euh, parce que oui, jamais ouais. il aurait fait passer ça à l'époque. Hein. Je me dis que si sous, tout son cinéma est très hétérosexuel, c'est pas pour euh, rien non plus. Hein, c'est qu'au niveau prod. Il a dû galérer, en effet, pour une dépendance des deux. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je trouve que la partie humaine bah, elle est beaucoup trop premier degré, mais ça développe un certain nombre de trucs. Euh, ça essaye de développer ce personnage. Il y a beaucoup de personnages, et ils sont pas... Ils manquent pas de substance, en l'occurrence. Il euh, y en a qui sont complètement détestables. Le chef de la CIA, enfin, ex-chef de la CIA, euh, qui est euh, ministre allez, de la Défense. Allez, je un missile, s'il te plaît Allez, un, allez, un, ouais. Ouais. Plaît, un missile, s'il te plaît Ouais tout ce qu'il veut c'est faire péter des trucs <laughs> de façon nucléaire mais, euh, mais à côté de ça ouais, c'est en effet le proto-blockbuster a... c'est marrant parce que ça, vraiment, ça fait naître des trucs comme Transformers et tout hein, au cinéma ah ouais. mais euh, bah là c'est là que la magie de Michael Bay opère, c'est que lui il arrive à faire vivre l'action de ces trucs qui n'existent pas là où les maquettes de, de Roland Emmerich bah, elles ont du mal à apporter de l'attrait assez statique hein, quand même. Mm. Euh, je voulais juste faire un truc aussi. C'est vrai que il euh, y a aussi ce truc, cet aspect. Alors il y a l'aspect écolo. Euh, attention réchauffement climatique. On ne respecte pas notre planète dans Godzilla et même dans le jour d'après. Mais il y a, il euh, aussi ce truc de, il euh, n'y a plus de niveau social. Vous voyez dans le sens où il n'y a plus de caste sociale. <laughs> on est tous, on est tous égaux. Et il y a ce côté en fait, il y a ces scènes ce absolument avec la casse couille Voilà, voilà avec la, la première dame. Ouais, t'es là, t'es. Ouais, bah, j'ai compris, c'est bon, n'est pas Dardan qui veut, mais bon, tu vois, t'as compris, quoi, l'idée que tu, tu. Voilà, on est tous. Euh... En fait, finalement, nous sommes tous humains, et nous sommes tous des petites merdes face à, à plus grand que nous, en fait, et qu'on doit essayer de s'en sortir, ou survivre, ou même, finalement, euh... comme dans le jour d'après, en fait, où on laisse la Terre dans un état d... catastrophique, et finalement, on doit se dire, bon, bah voilà, on va essayer de recommencer, euh... en essayant pas de faire de conneries cette fois-ci, quoi. Donc, euh... tu vois, il a, tout... il a... Alors, c'est. Euh... C'est vraiment un mode, ça fait réfléchir, mais il a toujours dans ses films des réflexions. Parce que je me souviens, dans le jour d'après, il y a aussi le fait que du coup, les Américains fuient vers le Mexique et que du et coup, il y a le problème politique qui Et, euh, en et, et, et dans 2012, c'est l'Afrique. C'est <laughs> oui, l'Afrique la qu qui va, va tout au sommet. Il y a ouais, un ouais, vrai discours, je vais y revenir après, mais il y a un vrai discours dans ces trucs quand même. Ouais, faut... ouais, quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, mm. Alors, je voulais revenir sur un truc, je sais plus c'était quoi, le genre. Ah oui, c'était euh, je... le... la scène. Ici, il y a juste une scène qui m'a fait marrer, c'est la scène de Possession. Euh, très, ah, euh, oui, oui. très Jeff Panacloc tu vois. Genre, il met une tentacule <laughs> dans le cul du scientifique qui fait Eh hey, fils de pute ouais. Tu vois, un petit peu dans <laughs> tu vois. Voilà, tu sais, un peu dans, dans le genre je veux pas la paix Tu vas pas la paix Ouais, c'est euh, ça. Euh, non, mais. C'est ouais, extrêmement vraiment. drôle. Vas-y, vas-y, tous les dire un truc, -y. Ouais, il y, y a juste un, un truc, moi, qui... Alors, oh, ça m'a choqué, ça m'a fait marrer, parce que je n'avais pas fait gaffe à l'époque. Au moment où on présente le personnage de Will Smith, c'est quand même le gamin qui vient les réveiller. Le gamin, il est habillé, il a sa casquette, il est tout dehors et tout, tu les deux Chauveur. parents en train de pioncer Tu <laughs> euh, dis, dis, mais le gamin, c'est limite, s'il a pas fait le café et tout, il est en train de jouer dehors, à faire plus, plus. C'est le père, amis, en fait. C'est le père de la famille, quoi, en fait. Il y a, a une espèce d'inversion. Ouais, c'est quoi, ces mecs qui sont en train de pioncer, rien à foutre quoi. Juste après que sa mère l'emmène à la boîte de strip pour la journée. Parce qu'elle va bosser Exactement. pendant une maison alien. C'est un lundi comme un autre, c'est incroyable. Et la ouais, réaction normal. de l'USP, c'est Oh, ben bah, enfin, les voisins, les voisins déménagent, ça me fait plaisir. <rire> ouais, <rire> le séisme, ils sont un peu fragiles quand même. Hein. <laughs> <Ouais, rire> c'est drôle, enfin, c'est con, mais ça marche. Enfin, c'est ouais, très le net, Alors, le film a été un carton total, hein. vraiment, euh, parce que déjà, ça a été aidé par un gigantesque euh, marketing de fou. Il hein. ah, ouais. a eu des affiches, des spots de télé, enfin ça a été un bordel pas possible. Donc, Recette de 816 millions de dollars avec euh, 24 millions en VHS, euh, rien qu'en VHS et DVD d'ailleurs. Donc euh, rentabilité totale, 5, 6, quasiment 6 millions d'entrées en France hein, à l'époque. Euh, mais bon, gigantesque succès public, mais euh, moins critique, hein, notamment, euh, notamment comment il s'appelle, le grand critique américain Roger Albert, qui euh, toujours dit, en fait, qui avait toujours une dent contre Roland Emmerich, quitte justement. Euh, dans Godzilla où il y a une, une parodie de euh, Debert en fait qui se fait éclater la gueule euh, petite vengeance hein, qui a été fait. Il euh, y a un, alors il eu un, donc succès Maboule, donc ça veut dire aussi produit dérivé Il y a eu une novélisation du film <laughs> ça ça fait rire putain vraiment le refaire sur le roman. Il euh, y a eu un jeu vidéo d'ailleurs je sais pas si tu avais joué Mathieu. Si si je PS1 ouais. ouais. Pourquoi c'est toujours vers lui qu'on se tourne genre. C'est spécialiste. Genre, je regarde est-ce que tu as joué l'adaptation de ah moi, de là, non mais c'est mais <laughs> les jeux là moi je, je faisais moi C'est quoi comme jeu c'est euh, un jeu de dogfight euh, Ah oh, c'est un jeu de Chaos un jeu de dogfight. Ouais. Ouais, bah, dog fight. Loin d'être fameux hein, voilà. c'est pas le pire truc que j'avais fait à l'époque mais. Il y a eu une émission de la BBC qui faisait en gros un genre que en fait c'était l'invasion alien des Independence Day et il y a eu aussi mix Jouets. alors je crois que c'est toi Manu qui a l'alien en jouet non. Ouais, attends, attends, trop. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, je l'ai récupéré euh, dans, dans le déménagement d'un pote et euh, j'ai l'alien qui est assez assez beau hein, et en plus qui est, qui est assez. Tu vois, il peut. Les ouais. avec les tentacules, il peut se mettre un peu partout. Mais en fait, tu l'ouvres en mode pince pince à cheveux, tu broches et à l'intérieur, c'est le petit alien à l'intérieur de l'exosquelette et en carton. C'est juste une petite plaque de carton ah. euh, en mode jeton de jeton de plateau, quoi. Oh zut, ok, ça marche. Il y a il euh, y a eu la suite donc euh, 20 ans. <coughs> Tard. Non. Et en fait, Will Smith a refusé la suite pour se concentrer sur quel film d'après vous <laughs> 2016. Euh... Euh... dans en quelle année c'était Men in Black 3. 2016. Ah non, c'est tard. Hein. Non non, Men in Black 3 c'était quelques années avant. Ah en non, ouais. ouais. je veux dire c'est pas After Hours non. Non non non, 2016. 2016 pensait euh, le, fi le, fi le gigantesque film le de... géantesque de merde. Bright. Diversion Hein Bright. Diversion The version Non Bright, 5, ouais. non mais non. Mais, soyez plus grand public, soyez plus blockbuster. Ah Aladdin Suicide Squad. Suicide Squad. Il a refusé. Et quelques Bravo. années plus tard, Emric en interview dira toujours. Enfin, il a avoué et le dit euh, que Independence des sur John c'était une putain d'erreur. Parce que même lui, enfin, et... il pouvait il oui, peut oui, se permettre oui, de oui, dire oui. ça parce qu'effectivement, déjà, il a foiré. Mais en plus, c'est que ça, c'est sa prod à lui. Donc euh, quelque part, en fait, il Je, je sais pas, pas c'est quoi le pire Suicide Squad ou... <laughs> Oh, de... C'est quand même Suicide Squad là. Enfin, Je pense que c'est dans... juste un... soit um... Suicide Squad c'est le côté imbérable du truc aussi C'est ah, dans les urgences il y a un, un vaisseau qui fait la moitié de la Terre En longueur qui se pose au milieu de milieu de l'Atlantique Je l'ai vu qu'une fois à la sortie je sais plus C'est ce que quand il se pose Ça s'arrête juste à la Maison Blanche et ça casse pas la Maison Blanche Oscar Du meilleur film visuel Enfin des Oscars des meilleurs effets visuels en 97, face à. Alors attention, il n'y avait pas grand monde. Il oh. n'y avait pas grand monde. Il ouais. <laughs> y avait Cœur de Dragon. <laughs> ah ouais Déjà, il était tranquille. Ah ouais, on et, nomme ça. <laughs> euh, et Twister. Donc il a, il a vaincu les deux, euh, les ah. deux films. Il euh, ah, a battu Twister. Ouais, ouais, ouais. ouais bon, tranquille. il le bat, oui, il le bat, ouais. ouais, bah tranquille. au la main. Et d'ailleurs, il y avait un truc, il y avait un fait divers qui est arrivé, je l'ai dit à Independence Day. Il y avait eu un. Euh, quand on a commencé à toucher au deepfake, il euh, y a eu un deepfake en fait, du discours de, euh, <laughs> de, de, de Pullman en fait, qui a été remplacé par Donald Trump. Et, euh, et pour le coup, euh, et pour le coup c est, c est même Pullman, oui, il avait bien fait... Je ne suis pas que ce disant, truc puisse servir à ah, ce allez. genre de personne. Non, non, non je, plus, j'imagine. Non plus. Même allez. si ce n'est pas logique dans la conception. mais bon. Pas du tout. Allez, on finit avec Marvin. Marvin, il me pense euh, Tu peux mettre le clou, pas... vas-y. Je sais pas en fait non mais alors je vais peut-être pas forcément enfoncer un énorme clou parce que moi j'ai un... une autre vision d'une dépendance d'aide moi j'ai toujours j'ai toujours été emmerdé par le film dans le sens où pendant toute ma vie je l'ai vu plusieurs fois comme beaucoup de monde et je me suis toujours dit c'est pas possible que ce soit sérieux en fait je me suis toujours posé la question toujours vraiment j'ai toujours pensé c'est pas possible que ce soit totalement fait euh, même au vu du parcours d'Emeric et tout euh, comme euh comme un truc full premier degré, et je pense pas qu'il le soit totalement, moi. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est Starship Troopers, hein. je n'en suis pas là, euh, parce que j'ai vu quelques analyses quand même un peu osées sur le sujet, il faut quand même pas lui prêter des attentions ah, qu'il n'a wow. pas, hein. mais il euh, y a quand même un truc euh, par rapport à Roland Emmerich qui fait que je pense que le film est un petit peu conscient de ce qu'il est, hein, euh, comme il l'est euh, toujours, en fait, dans sa filmo, tu vois euh... On a beau dire ce qu'on veut, même si c'est quelqu'un qui a été extrêmement influencé par son pays d'accueil et par la, la pop culture américaine, évidemment, et par les valeurs un peu tradies américaines, d'une certaine manière. C'est euh, ouais, un peu complexe du converti, d'une certaine manière, hein, quand même. Mais ça reste un type qui garde, je pense, un point de vue d'européen euh, sur, euh, sur ce pays-là. On peut pas s'en défaire totalement, je pense. Et je pense qu'il s'en défait pas complètement dans une dépendance. Mais il y a quand même quelques trucs. Voilà, encore une fois, je le répète, ce n'est pas Paul Verhoeven, non, bien sûr. Mais il y a quelques trucs dans le film qui me font penser... Qui a une sorte de conscientisation de la bêtise dans le film, quoi. Tu vois, surtout dans la première partie. Euh, moi, il y a quelques trucs qui m'ont frappé. Euh, tu vois, t'as des, des phases sur euh, des journaux télé. Euh, oui, s'il vous plaît, on demande aux gens de la Californie de ne pas tirer sur les extraterrestres. Oui, oui, oui. Voilà, ce genre de choses. <laughs> tu vois, t'as euh, tous ces, ces guignols en haut de je de, de, sais plus quel building qui sont là euh, en train de... de, de enfin, J'espère qu'ils qu vont ramener Elvis, etc. Ouais, tu ouais. vois, ou... ce truc qu'on a presque vécu en France il y a quelques années, n'oubliez hein, pas. Hein. Euh, mais... Voilà, je veux dire, tu vois, ce point de vue-là sur la population, sur les gens, sur la manière dont ils réagissent, bon, il y a quand même un petit peu de recul sur ce qu'il montre, je pense, par instant. là et il a toujours ce regard un peu, euh, je pense, un peu presque, tu vois, candide sur les États-Unis, quoi. Oui, oui, C'est-à-dire qu'il il, il comprend un petit peu la bêtise ambiante de l'univers dans mais le il lequel aime, il évolue. Son, il aime son nouveau Mais pays, il aime ça. Son nouveau, tu voilà. vois, il aime ça. Et il a ce côté, tu euh... sais, ce côté un peu admirateur des États-Unis, dans, ouais, dans un sens. Bah, un fan nose, hein. id... Non, mais d'idéalisation de la société ah, bah oui. américaine un petit peu. Il y a une ouais. vraie idéalisation de la société américaine telle qu'il voudrait qu'elle soit. Moi, j'ai l'impression qu'il voit les États-Unis comme ce truc un peu, tu sais, l'espèce de monde parfait qu'il voudrait que ce soit. C'est-à-dire euh... Il Fait du roman national en fait dans l'indépendance des. Euh, il te montre un pays qui est euh, extrêmement cosmopolite, tu vois. C'est vraiment l'alliance entre tout le monde, entre tous les peuples, entre toutes les ethnies, toutes les religions qui va nous mener à la survie. C'est pour ça que, mine de rien, il a quand même un casting qui est étonnamment inclusif euh, pour euh, ce moment du blockbuster américain, puisque tu as quand même pas un, mais un double rôle principal d'afro-américain. Parce que la pauvre Vivi Fox, qui est quand même une. Honnêtement, c'est une super actrice, hein. si on regarde sa filmo, c'est terrible pour elle qu'elle ait jamais percé euh, plus que ça, mais c'est vraiment une super actrice, hein, Vivica Fox. Euh, bon, c'est dommage juste qu'elle soit la meuf stripteaseuse du personnage principal, bon, admettons. Voilà, Will Smith, on en a déjà parlé, il n'avait pas encore la toute puissance qu'il a eue pendant 4-5 ans après, mais euh, c'était quand même un, un espèce de tour de force de l'imposer. Il y a Jeff Goldblum, qui est euh, caractérisé par euh, son appartenance à, à, à une famille juive, hein, euh, via, via le personnage de son père, Il, tu peux, peux l'appeler Juif Goldblum, si tu, tu veux, <laughs> ouais, Voilà, ça marche. Euh, a... Déjà, David, David, le prénom, tu vois, déjà, c'est, allez, hop hum. David, Lévi... David Levinson, Levinson, tu vois, ouais. avec euh, son père qui lâche des schmucks euh, à tour de bras, voilà. Euh... Il y, y, y a plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a plein de personnages comme ça. D'ailleurs, il y a même l'espèce le, de scientifique euh, de la zone 51 qui sera défini dans une dépendance des Résurgences comme étant, euh, comme étant gay. Voilà. Donc, euh, encore un truc. Euh, voilà, il y a une espèce d'inclusivité, d'alliance de, de, ouais, de, de, de toute une espèce de population qui va mettre de côté ses différences pour sauver le monde. Donc, t'as vraiment ce point de vue idéalisant. Très, sur les très a. En fait, très mentalité Berli de Berlin appliquée en fait, euh, au système américain, quoi. Oui, c'est le cosmopolitanisme qui voudrait voir dans la ouais, société ouais. américaine, mais qui n'existe fondamentalement pas, pas, en fait. Mais, ouais, mais en tout cas, c'est celui, celui qui voudrait voir. Mais il a toujours ce regard-là qui est quand même pas totalement inintéressant euh, dans le film, voilà. Et, et en plus, il fait des choses... Tu vois, il y, y a encore des choses intéressantes qu'il y a dans les dépenses de qui vont rejaillir dans le reste de sa filmo, qui sont encore une fois euh, issues de, du regard d'un type qui n'est pas de base un, un vrai américain, on pourrait dire, puisqu'il euh, y a ces, cette espèce de concept, tu vois, toujours du, du je sais pas, de l'espèce de château sur la colline, dans le sens où dès qu'il y a une crise mondiale, c'est évidemment via les états unis qu'on va s'en sortir, euh, ça, ça fait pas de doute, mais par contre, il y a quand même un peu de, de recul là-dessus, c'est-à-dire que, bah, le trop récurrent d'Emeric quand même, c'est que la... On, Presque qu'on va te louer la toute puissance américaine systématiquement, dire qu'ils sont très très forts pour, euh, pour être très armés et pour euh, casser plein de trucs et casser des gueules, mais le jour où c'est vraiment utile, ils eh ben ils sont pas à la hauteur en fait et, mmh. et c'est quand même systématique. Que ce soit dans une dépendance day où tu te dis que cette puissance là qui passe son temps à et des gens, euh, finalement se retrouvent totalement impuissante. On voit que dans Godzilla, euh, l'armée doit gérer l'affaire, euh, ça va pas marcher, ouais, ça, non, euh, pas terrible. Quand, <laughs> quand, la, quand, quand, tu, quand tu laisses à cette puissance armée le soin de sauver des gens, comme dans le jour d'après ou dans 2012, bah ils sont pas à la hauteur, tu vois Donc il y a quand même, il voilà, y a quand même un truc en J'ai toujours l'impression qu'il a le cul entre deux chaises et je trouve pas ça complètement inintéressant. Et puis c'est toujours, euh, finalement c'est toujours les personnages qui ont une résonance un peu scientifique qui débloquent la situation. C'est pareil, c'est jamais véritablement la puissance armée qui, qui est est le, la clé absolue de tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y a un petit discours euh, qui est probablement très 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 larvé, mais qui a le mérite d'exister. Voilà. Mmh. C'est euh, pour ça que je j'arrive toujours pas à me dire après l'avoir revu que c'est fou le premier degré. Moi j'ai du mal vraiment à le penser. Tu vois, je... et d'ailleurs quand tu l'écoutes lui. Euh, c'est impossible de savoir en fait c'est pas, pas compliqué voilà c'est impossible de savoir si s'il avait envie de le faire full premier degré indépendance day il en parle souvent il a même refait des non tu comprends quand il parle que de toute manière c'est pas c'est pas full premier degré c'est juste que c'est un regard après euh, ce qui, ce qui rend le film candid, un peu con fait. ce qui rend le film un peu con et ce qui rend toujours ses films un peu con et un peu candide c'est qu'il a une obsession alors j'ai oublié le terme euh, biblique de, de l'apocalypse selon euh, Selon le, le terme purement biblique, c'est-à-dire, euh, mm. je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, le, le mot m'échappe. Mais tu vois, ça de va la... voilà ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, le monde euh, est, est tout pourri, euh, et donc, euh, du coup, euh, la seule solution, c'est de tout détruire pour repartir sur des basses scènes, dans une espèce de nouvelle société où il n'y aurait plus vraiment de frontières, etc. Exactement ce qui se passe dans Indépendance des... Euh, ce qui se passe dans le jour d'après avec des gens qui finissent mmh. par aller au Mexique ou dans euh, 2012 avec euh, ceux qui vont arriver en, en Afrique, quoi. Donc c'est euh, aussi une dépendance C'est encore un espèce de, c'est encore un espèce de 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 de, de, résumé de ce truc là, quoi. Donc c'est vrai que bon après c'est une philosophie un petit peu, euh, un petit peu binaire, un peu conne quoi. Voilà ce qui n'aide qui, est... qui pas le film à paraître plus fin qu'il n'est non plus, quoi. Après bon après, bah euh, ça reste 5 euh, ans après la fin de la guerre froide, quoi. Oui bien sûr, et puis en plus il y a, y, a y a même des références à ça dans le, dans le sens où il euh, y a aussi des trucs qui tombent un peu juste, tu vois, par exemple quand tu as le président qui est complètement impopulaire, ça souffle par sur le le mec qui a été élu en fait parce que c'est un ancien pilote qui a participé mmh. au Desert storm, au golf et tout. Et on dit aux gens, vous avez élu un guerrier, finalement vous avez, vous avez un mollasson quoi. Tu vois, et même lui qui dit euh, oui, mais au moins pendant la guerre du Golfe, on savait ce qu'il fallait faire, machin. Donc, gentiment, perdu. <laughs> gentiment, démystifiant, tu vois, de la force armée, mais vraiment gentiment quoi. Hein Tout en, en même temps, euh, en, en faisant quasiment la promo à certains instants. Donc voilà, j'ai toujours plus l'impression de voir un mec vraiment calcul entre deux chaises entre ce qu'il admire et ce qu'il juge un petit peu. Qu'un qu truc complètement au premier degré. Vrai Après. Plus un, un truc candide quand même, plus que du. Tu vois, j'ai plus le côté un peu naïf, effectivement, un peu euh, le, le côté on rassemble tout le monde, mais c'est que ouais, j'ai ouais. du mal à avoir un, de, du vrai second degré dedans. Non, 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 je, je... Pense, je, je sais pas si c'est du second degré, tu vois, mais je, je pense quand même oh. qu'il y a un petit discours... le côté a, full sérieux, je suis d'accord, c'est pas un film qui est fait yeah. pour être sérieux, mais par contre... Il y a un petit point de la... vue quand même d'européen, de, tu vois, qui est pas complètement dans ouais, ouais. cet mmh. environnement-là, qui se ressent un petit peu. Et en tout, tout cas, dans le reste de sa filmo, ça continue de se... Bah, c'est l'inverse. Re Regarde européen, c'est-à-dire, oui, je disais, c'est par Starship Troopers, etc., mais c'est un peu l'inverse de Veroven. Veroven, lui, a un regard beaucoup plus acerbe et tout sur les trucs, très méchant et puis inadapté. Alors que Roland Emmerich, c'est quelqu'un qui rentre très bien dans le moule, mais qui est quand même un peu conscient de quelques trucs. Quoi. Et que Donc, par euh... contre, Michael Bay va te balancer de l'armée au total. Toi, C'est un peu l'inverse de Michael Bay. C'est que lui, au contraire, il va essayer de mettre plus les personnages en avant que l'armée américaine ou que des trucs comme voilà. ça. C'est vrai un... que Michael Bay, en plus, est beaucoup plus cynique pour le coup sur son ouais, ouais, voilà. propre ouais, ouais. pays que, que Roland Emmerich sur le pays mmh. qu'il accueille. Mais, mais par contre, après, bon, histoire de, de, de terminer et de quand même remettre les choses à leur place, euh, ce que je disais en intro, c'est que l'envie, le, le, l'enthousiasme, la sympathie. Bah, c'est pas le talent en fait et, euh, et, et, et c'est un problème parce que, parce que oui Roland Emmerich il est fasciné par la pyrotechnie il est fasciné par la destruction par le destruction porn même titre que, que peut-être on a pu associer Michael Bay un peu vite à tout ça et il n'empêche que dans l'exécution ça va pas du tout ça va pas du tout parce que, parce que le film a des problèmes de rythme vous l'avez dit tout à l'heure mmh. ça met deux ans à se mettre en place avant de vraiment démarrer et à partir du moment où ça démarre on voit bien sur les scènes pseudo-apocalyptiques que ça fonctionne pas en fait c'est pas du en fait il y a aucun panache dans ce qu'il fait et pour moi ça a vraiment du mal à être spectaculaire oui tu peux te rendre compte que le film il subit pas tant que ça moi je trouve les affres du temps parce que le travail de maquette etc est plutôt solide ouais, et je pense même que c'est un film qui a probablement beaucoup moins Moins vieilli que sa suite, déjà, tu vois, qui doit déjà paraître être plus daté, j'en suis quasiment convaincu, tu vois. Mais, euh, mais je trouve que le film, euh, ouais, se tient encore sur ces sur ses quelques effets pratiques qui, euh, pour le coup, font pas trop de chips, quoi. Visuellement, je me rappelle l'avoir vu plusieurs fois en, en, 15, en 15 ans, et je me suis toujours dit, bon, c'est un film qui tient assez bien. Euh, autant. Ah, bon, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est vrai que, bon, sa manière de filmer la destruction... C'est très compliqué, ça manque vraiment de panache, et puis surtout, ça retranscrit très mal euh, la destruction à grande échelle. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est limité à trois rues. Tu vois, il y, y a New York qui se fait attaquer, tu vois bien que c'est un hangar mmh. de studio où, avec, une, avec une rue, euh, 50 figurants, des gens qui courent dans tous les sens, deux voitures qui sautent, et, et c'est compliqué. T'as beau mettre des grosses flammes et tout, je suis vraiment. Euh vraiment emmerdé par le ouais. fait que j'ai pas, pas du tout l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Hein, clairement, euh, ça euh, manque euh, de plan, disons, qui montre la globalité du truc. Oui, là, ça manque bon, d'ampleur, euh... ouais. tout simplement. Ça manque même de, de, de variété des décors parce que toute l'action se, se situe autour de 3-4 endroits différents. Ouais, et puis la caméra bouge pas, la caméra bouge pas, il se passe rien, tu vois. Tout à l'heure, tu citais Armageddon. Si tu mets les deux côte à côte, c'est vrai que bon, ah oui. Euh, oui, on aura beau dire qu'Armageddon, visuellement, esthétiquement, c'est peut-être un peu trop baroque et c'est ce qu'on fait un film bizarre, mais il n'empêche que ça un atteint un dynamisme que tu peux même pas espérer. En ouais, là, tu sens la fin du monde. Ouais. Mmh. ouais, voilà, tu sens un truc qui n'a pas de sens, quoi. Dans une dépendance d'être tout est extrêmement policé et, et ça vaut pour tous ces films. Hein. Je, chose qui, ouais, un chose qui sera un peu améliorée, peut-être sur, euh, peut-être sur le jour d'après, tu vois. À la limite. Ouais, ouais, voilà, ouais, alors, mmh. ouais, ouais, peut-être, peut-être. Mais, 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 mais voilà, il bon, y a fameux, toujours. Euh, voilà, il y a toujours quelque chose de, ouais, de, de, vaguement sage et gentil, quoi, dans, dans, dans la destruction. Et le problème, c'est que bah, en fait. Une fois qu'on a évacué tout ce truc du discours un petit peu en creux qu'on qu n'est pas forcément venu voir, bah on est quand même devant ce film-là à mon sens pour euh, pour le fait d'avoir un très grand spectacle. et Je trouve qu'il se plante complètement là-dessus quoi. Malheureusement le problème il est là. Il est là dans le fait où bah, c'est jamais spectaculaire. T'as une demi-heure de dogfight à la fin. C'est quand même assez mauvais quoi. Tu vois, j'aurais tendance à te dire que même le, le Top Gun de Tony Scott qui est, à mon sens pas une référence, c'est bien au-dessus tu vois. Donc je euh, voilà, énervé énervé. Ouais. Non. non je parle justement des dog fighter hein, simplement. Tu vois. Ouais, mais en euh, mais... mise en scène, voilà, plus, ça bouge je plus. Parle quoi. pas du reste du film, ça Il n'y a pas sûr. de volleyball là, moi je suis désolé, mais... <laughs> mais euh... <laughs> voilà, non, je trouve vraiment que le film manque de, manque, manque, manque de panache, en fait. Il manque ah, ouais, de panache, vrai. il manque de folie, il manque, il manque de plein de jeux. Ah bah très, 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 très policié. C'est la rigueur allemande, c'est la rigueur allemande. Tu vois. Ah, c'est pro... Volkswagen, peut-être un peu. Ouais, mais mais euh... est... On est tous au voilà. serré. Donc, là, en fait, c'est pas spectaculaire et c'est un peu long, c'est ennuyeux, et sur le terrain du divertissement, ça fait vraiment pas son boulot, quoi. Ouais, pourtant Donc, ça a marché. Euh... Mais... je, pas, je oui, comprends bah, pas le oui, truc c'est que ça a marché, marché à l'époque tu vois le, euh... le côté divertissement quand même. Mais... oui Luc ça a marché mais le... encore une fois le single ah non l'histoire de France c'est la danse des canards je, je veux pas Et dire quel tube, tube, mais... ah, mais... tube mon gars ah, la bah, danse les des canards ils font coin exactement voilà je vois qu'on l'intégralité de la chanson qui se déroule là mais voilà je pense que malheureusement sur le terrain on l'attend bah non il se plante là dessus on peut on peut pas le nier Ouais, super critique, j'ai détesté quand tu as chié sur la danse des canards parce que c'est quand même la plus grande chanson de, tout, de tous les mariages qu'on a eu, mon gars. Et ouais, ah, ouais l'anniversaire ouais, de Tacha, tout ça, les la chenille tout chenilles. ça. Tu sais, il y a eu quand même une grosse période pour avoir fait quelques mariages de blaireaux. Ça, ça devait être, 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 eh, être un mariage où tu vais aller. Je suis vraiment désolé, mais bon, il y a quand même eu une grosse période, les sardines, etc. Ça se retrouvait beaucoup c'était. Il y avoir un là, petit coup est... à la maison, il y avoir un petit coup à la maison, Marvin. Ouais, ah. voilà. Moi quand je me suis marié, j'ai dit non non mais vous me mettez pas Patrick Sébastien, c'est non, la chenille, c'est non. Mais non mais les gens vont pas danser. Je me suis dit si si mais pas là-dessus. Mais mettez-moi Tribal King façon sexe. Mettez-moi façon sexe. une liste comme ça, tu vois de 500 pages, genre ça c'est interdit. Yannick en haut en bas ces soirées là tout ça c'est putain incroyable ça. c'est la gigantesque que Benoît tourne-toi c'est non. tourne-toi. Ah oui, donc ouais, putain. Kum Mania non plus quoi. Enfin ouais. Ça les tramba quand DJ, les gars, Dadi DJ. Dadi DJ, DJ putain. 3h du matin. Lac du Connemara. Ah ouais, mais alors ça, malheureusement, ah ouais, ça ça, oui. c'est un truc qui est resté. Ça, c'est. Putain, ça aurait dû s'acheter un moment. Non, ouais, ça, ça c'est obligé, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Franck ouais, ça Vincent. Et Francky vrai, Vincent, ouais. effectivement. Ouais, je... ah, une, une photo dédicacée de, euh, de Francky Vincent, d'ailleurs. Sont tu le restaurant <laughs> qui restera dans les mémoires. <laughs> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Qu'elle vient. Hein, une photo dédicacée de Francky Vincent, bien sûr. Bah, tu sais, je vais côtoyer les grandes étoiles. guitar hero guitarero. guitar guitarero. Un jour, je vous raconterai cette histoire. Ah ouais, mais guitarero. Tu mets guitarero avec Vianney. Ouais. Je l'ai explosé, mais bon, bref. C'est bah, plus joué là, c'était euh, voilà. une domination. Ouais. C'était une domination. Voilà, bien sûr, c'était une domination, mais maintenant il me domine financièrement. Ah, généralement, j'ai <laughs> qu'une seule corde, putain. <rire> <rire> ah, moi, je, le joueur normal, je comprends pas. <laughs> mais, mais ouais, voilà, tout ça pour dire que Dépendance Death, c'était pas très bien. Ah, c'était pas très bien. Alors, est-ce que ce film mérite la shit, Marvin Oui. Oui, un grand oui. oui parce, que, parce que discours intéressant par moment mais euh, parce, que, parce que sur là où je l'attends bah il se plante donc euh, je peux pas décemment euh, dire que, que c'est sauvable Banu ben, Moi pour le cœur je dis non et puis comme ça c'est Mathieu qui de décider. <laughs> ah non, putain Mais non. non c'est sale Non mais ouais. ah, c'est ça. récupération, là là as, as le poids sur tes épaules, Passe la poids, la crédibilité pas décisive voilà. Ah non, ouais, oui, c'est shitlist. C'est moitié, ouais. moitié des points dans la validation du stage, attention. Ouais, ouais. Ah, non, a, bah, a, il est déjà validé. A, il est mis ouais, dans bon. shitlist. Je m'imagine mal dire euh, non, pas shitlist après avoir <laughs> dit tout ce que j'ai dit avant. Le mec, il perd On aurait perdu du ah temps. Non, finalement, je l'ai quand j'étais petit. Non, 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 franchement, ouais, c'est shitlist. Il y a, plein, hein, y a vraiment trop de raisons qui font que, surtout en 2024, c'est un peu compliqué de voir Independence Day comme un bon film. Pourtant, Dieu sait que je l'ai. Je l'ai défendu longtemps, c'est un film que j'ai regardé quand j'étais plus jeune, mais ouvertement, c'est pas... Surtout, oui, de, de, surtout vraiment de, de, maintenant. Tu suis bah, bah. pas, Mathieu, ça là. Hein, ah, si, c'est euh, 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 mon okay, premier... premier c'est mon t en t en premier C'est mon premier film où je le mets dans la... Et vous pouvez faire un lot avec la suite parce qu'on s'en occupera probablement. J'ai un pote tout à l'heure qui m'a dit Indépendance des la shitlist, mais le 2, j'aime bien. Ah d'accord, Mais là, de toute façon, il y a des gens bizarres. Je vais à comprendre, mais je... Ouais, ouais, c'est chaud, là il y, y, y a une méta qu'on n'a pas. Moi je préfère Fallen Kingdom à Jurassic Park, hein, tu sais. T'es ouais, sûr oui, qu'il n'a ouais. pas été pris en otage Ah mais voilà. Ah tu préfères même... Fallen Kingdom euh, au premier Ah ouais, joueur, bah oui, largement, ouais, largement. Ah ouais. Okay. Euh... Non, ouais bon, 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 après... vous connaissez l'histoire du Verno Non, J'aime Fallen Kingdom, moi, mais... même pas déconner. Allez, Independence Day, ça va dans la cheatlist. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors courrier Durando, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film, et notre moment aussi pour... Euh poser des recommandations, lire des courriers et aussi euh, euh, voilà, bah, faire un petit jeu. C'est un truc sympa. Quoi. Euh, fucking Slythie nous dit « Quand le plus ricain des cinéastes remake La soupe aux choux sans les proutes, il en fait un spectaculaire spot patriotique et, et beau beauf. Apprendre au 28ème degré aux Smiths et Goldblum fume une entité supérieure avec un Apple PowerBook 5300. Foutu année 90, shitlist Martin Lawrence, Martin Lawrence, le vrai Martin Lawrence. Hein. Ah, euh, euh, ouais, il est venu, il est venu. il est, passé. Ah, il est venu chier sur Will Smith, <laughs> là, il ma carrière. Connard ouais. Mention spéciale à la VF, les vannes de Smith sont devenues tellement cultes que je saigne sur la VO. Il me, il faut, il me faut, mon, c'est ce qu'on appelle une rencontre du troisième type qui ressort juste après l'apparition en fin d'un vaincu d'un simple coup de poing en passage. Euh, Willy Coriot avait fait un long thread. C'est un exosquelette, du coup. Ouais, oui, carrément. Il avait fait, Willy, Willy Curiot, il avait fait un, un, un long thread pour dire que Independence Day ne méritait pas la cheatlist. Big up à lui, ah. un, un petit dédicace. Euh, mon film plaisir coupable, intrigué, neuneu au possible, mais c'est rattrapé par sa galerie de personnages aussi caricaturaux qu'attachants et ses effets spéciaux, franchement impressionnants pour l'époque. Du pur film catastrophe et aussi un pur produit des années 90. Et on va finir avec Auguste. Le film est nul. Mais très satisfaisant à regarder. Il est mieux que Dune ou <laughs> Rogue One, par exemple. Jamais de la vie, il va dans la shitlist voilà. Ah, il n'a pas, pas, tort. Mais euh... alors, ouais. on va reprendre nos tops selon, nos, selon les membres d'un site D'agrégateur de notes absolument pourri. Euh, je vais me concentrer sur le top des meilleurs films philosophiques parce que c'est absolument <laughs> pas ce que c'est. Indépendance <laughs> Day. Voilà. Pourquoi Ouais, parce que je me suis dit okay. bon, on va pas faire le top alors. de quatre ça va nous casser les couilles. Je crois que je l'avais déjà fait sur Twister. Donc on va partir à la dixième position. Qui Alors, quel est le film, selon vous, en dixième position, qui est le plus bah, philosophique Là, c'est selon... compliqué, parce que le barème, c'est quoi, tu vois Quel film vous a fait réfléchir ah, Qui est, est sorti en réfléchir. 95. Alors, quel film Un quel... hein 95, 95, 95, peut être 95. Non. En non, non, 95. Un où, euh... film qui ouais. nous a fait réfléchir en 95 ouais, Mais ouais. là, c'est vague. Il hein. ah, ouais, mais... y a Brad Pitt. Il y a Brad Pitt. C'est... L'armée des de douze singes. L'armée des douze singes, le Thierry ah, C'est oui. vrai que ça fait réfléchir un peu. Hein. Ah, ça fait euh, réfléchir. Ouais, ouais. Les neurones. Bam un Et autre film dire. où les neurones font « Pam !» justement. Euh, Il y, lap... y a un lapin dedans. Ah, Donnie Darko. Donnie Darko. Donnie Darko, effectivement. Il est dans tous les tops. Ah, il est dans Darko. tous les tops, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment mon site je préféré. C'est vraiment je sais mon site si à moi. Vous déjà dit... Je vous ai déjà dit que j'aimais pas Donnie Darko en plus. Ou... Ah, incroyable, il est dans mon top euh, 100. Ah, On en après. Mais moi, dans le top d'un certain truc euh, qui bientôt servira à quelque chose, j'ai mis un seul film de Richard Kelly et c'est Sauce Lantels. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends aussi, euh, c'est vachement bien. Il y a la scène de Justin Timberlake qui chante The Killers. Ah bah, bien sûr, évidemment. On a du Moby aussi, c'est fou. Huitième euh, position, un film qui a fait réfléchir peut-être un peu trop de monde et pris en exemple euh, un peu trop club. souvent. Fight Club. Alors là, attention Septième position. Là, je sors mon cigare de gros cinéphile. Mmh. Euh, c'est un film qui a eu une adaptation de jeu vidéo sans être une adaptation. Voilà, là, ah, je vous mine non c'est pas Matrix alors attends il euh, y en a plusieurs hein. adaptation a... de jeu vidéo qui alors c'est pas... non non, ah ouais, non, non c'est un, f... ouais. non, non, un film qui est sorti il y a très longtemps et qui a eu son, son jeu vidéo sans être une adaptation vraiment réelle réelle ouais il y en a plusieurs dans ce cas là euh... mais bon si je dis la du... nationalité on va se faire je me... vous allez trouver direct de toute façon euh... enfin, c'est un film très contemplatif très compa... contemplatif ça ouais. euh... le Stalker, effectivement, c'était ah, Stalker. Ah, D'Andrei ah, ah ouais, Tarkovsky. Ah ouais. ouais. ah, non, mais c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Qui n'a jamais réfléchi sur Tarkovsky, tu vois Genre, bah, Déjà, pour dire non, comment il arrive aussi loin, tu sais, tu te dire, ah, c'est beau. En vrai, en vrai, ouais, euh... si c'est pas, ah ouais. bon. ah ouais, oui, pas le premier, c'est bizarre déjà. oui, non, c'est pas le premier. Bon. Après, c'est pas, adap... pas du tout une adaptation de, de, de quoi que ce soit, hein, Stalker. Hein. Enfin, non, euh... non, non, le jeu vidéo, non, mais il reprend non, en fait l'idée d'une zone interdite en fait. Oui, non, mais bah, voilà, mais sinon. Euh, bon. D'ailleurs, le 2 sort euh, le mois prochain d'ailleurs. peut-être streamé dessus. En sixième position, c'est Christopher Nolan qui réalise un rêve de gosse. Interstellar. Gigantesque banger. Hein. Gigantesque banger. J'ai toujours pas vu. Interstellar. Ah 10, hein. Non mais tu l'as toujours pas toujours vu, vu Interstellar Non. Oh là coup, Je sais pas pourquoi. Il y a des films, je sais pas pourquoi j'ai. Moi, j'ai dit 10 sur 10. Ah, ouais, 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 pas loin ouais. 9. Bah, c'est ce que, 9, que 9. je l'ai noté chez chez <laughs> Mathieu, tu maté 100 fois Commando mais t'as jamais maté Interstellar. Si tu savais non. le nombre de films que, que j'ai pendant... pas vu alors que j'ai vu Commando Le truc c'est que dans Interstellar, il peut regarder 3 fois Commando, tu vois. Bah ouais, clairement. Ouais, c'est clair. C'est pour ça mon choix est fait. C'est ça. Tu remplaces les troncs par des livres et c'est intéressant. Ah, mais j'ai failli parce qu'ils l'ont ressorti au cinéma. J'ai pas eu ah l'occasion d'aller le voir. C'est euh... vraiment super bien. Pour ah, ouais, oh, c'est vraiment super. Je l'ai lancé. En, en plus, bon plus, ça commence à mettre des Interstellar euh, moins bien que Gravity. Voilà, enfin, vous êtes en train de. Oui, dans la c'est J'adore Gravity, mais vous êtes en train de gagner ouais. là. je ouais. Franchement. Euh... Faites pas les coups. Ça n'a rien à voir à part le fait que c'est dans l'espace, quoi. Ouais, en plus, vrai oui. Moonraker, Moonraker, mieux Interstellar. Voilà. Non, mais j'aime bien ces comparaisons, moi. Interstellar, bien que Jason X. Interstellar, moins bien que les Anges Gardiens. Bah oui. oui. Interstellar, moins bien que les prochains dans l'espace. Effectivement, on peut aller très loin. On peut aller super loin. Ah oui, ah oui Interstellar, c'est meilleur. Rappelles... C'est bon, Zodérik, c'est bon. À chaque fois que tu est... rappelles l'existence des Anges Gardiens Non non -moi, un bon oui. bébé moi ah, c'est mère. Les Anges Gardiens, c'était dur. Je les ai revu il n'y a pas si longtemps. De là, j'ai regardé les, ah, les anges, anges Gardiens, gardiens. j'ai pas regardé Interstellar. Les Anges, anges Gardiens, encore un film qui a été réédité avant Hardboyd. Voilà. La Soif de l'or aussi. Enfin tout. Ah bah tout. Jean-Marie Poiré, Univers quoi. Bah ouais, Grand artisan français, forcément. Ah bien sûr, bien sûr. Cinquième position, c'est un film réalisé justement par un grand artisan français, qui est le film spé littéraire, quoi, classe de littéraire. Ça fait beaucoup de Sunshine. Et t'as la Sunshine aussi. C'est Manu, il a lu dans mon esprit. Tac, bien. Alors je suis désolé, mais je déteste les gens qui en suivent dans leur top. Mais vraiment. Pourquoi Je pas pas, c'est un profil que j'aime pas. parce ce que t'as pas de coeur je pense que c'est vraiment le film de, de, de cinéphile blanc de base, tu sais, euh, qui habite dans le 16e. Non, vraiment, c'est chaud. <laughs> c'est pas faux aussi. Ouais, alors, c'est plutôt Christophe vrai. Honoré, mon gars. Là, tu te gourdes, cible. Hein. Ouais, mais ouais, mais c'est le même genre de public, tu vois. Ceux qui aiment Christophe Honoré, ils aiment bien Michel Gondry en général, tu vois. Bah, après, Michel Gondry, il est pas mauvais. Ouais, non, bah, il n'est pas non. mauvais, mais bon, euh, je trouve. Mais bon, bon oui, que je, je comprends que le mettre le pas mettre pas comme des ça, des là, ouais, bon, ok. Ouais, mais ça reste quand même un des meilleurs rôles de Jim Carrey. C'est vrai que ouais, film non, philosophique, ou... non, ouais, je sais pas, pas. j'aurais pas mis ça dans si un si film si philosophique. Si, si, quoi. ça va, ça, ça, fait, ça fait réfléchir sur l'amour. Ouais. Et ça puis tu marre. comprends, avec Jim Carrey a contre-emploi, super acteur. Moi, je préfère ah disjoncter. Ah je ouais. Mais non, mais il est ah. super bien dans International Spotless mais Je connais cette théorie. T'as vu qu'il y a 100% de chance que dans le reste du top, il y a des Truman Show. Il a fait son show Pantin. Bon, Manu, je te le donne, c'est bon, il est quatrième Truman Show, c'est bon. C'est bon, c'est pas la peine. Euh, troisième, il y a eu... Est-ce qu'il y a Sonic six... dans le top ah, <laughs> <mais> ah Non, <laughs> et non, et non, et non. Euh, troisième film, euh, c'est un film qui a eu des rééditions euh, à tout va. Il y a huit versions du film. C est, c est un... Blade, Blade Runner. Howard Dunnock, c'est le Blade Runner Le pouvoir de l'amour avec les animaux. Blade Runner, ça fait pas... Ça pas tant réfléchir que ça, franchement. Vous réfléchissez trop autour de Blade Runner. Oui, bon... Ah voilà! Ah oui, là, là, oui, par contre, ça a donné un une des plus grandes fake news de l'histoire du cinéma. Tu sais, ce truc, genre... à vous savez qu'il l'a totalement improvisé? C'est totalement faux. faux. Ah voilà. sûr. Si vous voulez savoir, Ridley Scott lui a écrit ce, ce, ça. Vous savez qu'il pleuvait vraiment? Euh... Voilà. Ça tira dans ce clip, Ridley Scott lui a écrit. Est vraiment tout voilà. de l'eau. C'est ouf! Est-ce que c'est pas des verres d'eau qu'on a mis? Enfin, bref. <rire> <rire> Imagine le bordel, ça, juste avec des verres d'eau. Vous êtes tombés les verres d'eau avec des cordes de guitare, Enfin comme dans genre, <laughs> Je sais pas vous le saviez ou pas. Deuxième film. Il était pas au courant qu'il allait pleuvoir d'ailleurs. C'est vraiment arrivé comme ça. C'est un film important de la pop culture. C'est un des plus grands films des années 90. Ah oui, d'accord. Matrix. Ah, Matrix, effectivement. Ah, c'est vrai que ça y fait pas Gossip Nutshell. Non, 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 the Shell il doit être dans le classement, mais il passe de la gauche. Non, il est dans le classement aussi, mais je sais plus à quelle position. c'est quoi le number one numéro 1 de Numéro 1 qui fait réfléchir 2001. Bah oui, c'est ah, de l'espace. Ah, bah oui, bah, ah, oui, oui. oui, oui. ah, et la philosophie, tout ça, oui, d'accord. Ouais, oui, oui. Ghost, Ghost in the Shell est 14ème. Ghost euh, in the Shell est 14ème. Mm. C'était. Attends, tu m'avais dit, Manu, c'était. Il n'est pas dans le classement. Mais non. <laughs> ah ouais Il y a The Tree ah, of là, Life. The Tree of Life, 16ème. Alors que c'est quand même le truc qui vous fera le plus réfléchir. Je trouve que Bienvenue à ça fait plus réfléchir que Eternal Sunshine. Ah bah non, je suis con ah. Il est 11ème. Bienvenue à Kataka. pardon. Putain, non, je suis ah, con. La ligne euh, rouge City, 13 e ouais. Dark City, Dark, ah, là, Dark City. Est est de Dark City non, Dark City est pas dedans. Euh, D'ailleurs, c'est un, non, un, un classement non. de 20 films. Euh, celui qui ferme le, le classement, c'est l'échelle de Jacob. C'est l'échelle de Jacob. Oh, L'effet papillon, l'angoisse. L'angoisse. Non, non, il y a aussi Persona, mais non, non, mais il n'y a pas de... Il y a à Aronofsky, ouais, tu sais, ils auraient pu nous coller Moser ce genre de conneries, genre. for Ah bah ouais, bah grave, là. Oui, par exemple. C'était donc le top des meilleurs films philosophiques selon un site tout pourri. Et on va passer aux recommandations culturelles. Alors, recommandations culturelles, est-ce que vous avez des rocos cette semaine Marvin je une nuque, moi. Alors oui, ma roco, à moi, qui sera pas un truc de niche, c'est mon rattrapage de The Plague en fait. Ah, le de, jeu e oui. Voilà, oui, ah, j'avais jamais, jamais joué, j'avais e jamais joué Eplectel euh, Innocence et e Plectel Requiem. Alors, euh, on n'a pas encore totalement terminé Requiem, mais pour l'instant, ça prend une direction quand même assez solide. Donc, de, de Asobo Studio, hein, mm. Studio Bordelais, voilà. Euh, voilà, tout ça pour dire que c'est. Bon, alors, euh, c'est un... marrant quand même, euh, c'est assez rigolo de jouer à Plectel Innocence et Plectel Requiem, dans le sens où tu tu vois quelle est l'inspiration majeure des gens de chez Astrobo. Euh, coucou The Last of Us, hein, bien sûr, oui, évidemment. Bah, oui, oui. Puisqu'il y a eu, euh, post The Last of Us, tu as eu tous ces jeux tu sais qui sont basés sur la dynamique entre deux personnages, un plus vulnérable que l'autre, qu'il fallait un peu protéger. Bah, Luc joue à God of War récemment, donc qui sait. Mais, non, euh... mais vous savez, c'est quoi l'origine de tout C'est Brother. C'était le... le jeu Brother. On oui, le oui, 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 bah oui, ou Resident Evil 4 aussi. Ouais, <laughs> ouais, 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 on va. Est-ce que ça va C'était pas Pac-Man d'ailleurs, euh, je savais. Ah, ils Alors, ont un ouais. peu compris euh, qu'il fallait arrêter avec ces personnages qui nous foutent dans la merde quand même. Ouais. Mais euh, mais du coup, Euplectel, c'est assez marrant d'ailleurs de voir le mimétisme entre les, les entre les deux, parce que quand tu vas voir Requiem, tu tu sens qu'ils ont. Euh, vu euh, l'évolution de euh, Last of Us et The Last of Us 2, puisque littéralement il se cachent pas hein, dans, dans la dynamique, dans le dans le gameplay, dans les nouveaux assets qu'ils ont rajoutés, à quel point ils essaient toujours d'en être le plus proche possible, mais euh, c'est quand même assez cool. Ouais, il y a une bande son qui est assez qui est assez folle. Et juste pour rappeler ce que c'est, euh, Plague Tale, c'est l'histoire de en gros d'une d'une sœur qui euh, protège son petit frère pendant euh, pendant euh, alors je sais plus quand exactement ça se déroule pour pas vous dire de conneries, mais en tout cas ça se ça se passe en France euh, au Moyen-Âge pendant le, le, la peste, voilà, qui est appelée la morsure, d'ailleurs, dans le jeu. Je pense, hein. ils, appellent, ils appellent ça la morsure, il me semble. Et surtout, la grande, grande feature de Plectel, évidemment, c'est euh, l'affichage à l'écran d'énormément de rats. Voilà donc, voilà, donc. Ça a été, euh... ça a été la, le, 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 la plus-value du jeu, ouais, généralement. la grosse assiette, tout en sachant que, fun fact, on peut en afficher 5000 euh, simultanément à l'écran dans le Innocence, mais dans Replay Ta Requiem, on est à 30 000 à l'écran. Et oh ça peut quand même euh, faire son petit effet par instant. Moi, sachez-le, il y a pas grand-chose qui met mal à l'aise, mais ça me dégoûte. Hein. Enfin, vraiment. Ah, hein, les de, rats. Des masses de rats comme ça, ça me débête. Hein, je... Mec, moi je vis à Nantes, moi je vis avec les rats, mon gars. Oui, C'est mes vrai, potes, vrai, c est c est vrai, mes vrai, potes moi. Tu, ouais, je les mais ici on voilà mais si un petit pas, check. Tu vois. Euh... Ouais, non 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 moi euh... j'ai plus de chances de croiser un renard ou un cerf qu'un rat ils sont cool aussi ils sont cool ah c'est pas pareil quoi tu vois. Ouais, ouais. mais euh, non non voilà c'était la, la grosse feature et puis euh... puis c'est plutôt c'est plutôt sympathique quoi donc euh, voilà donc, Eplex Tale et c'était Requiem aussi. Hein, et de que le. Bah, Innocence qui ne doit pas coûter cher Requiem il est encore dans le Game Pass a priori. Je crois que d'ailleurs en, en novembre il y a. En novembre il y a une collection qui regroupe les deux jeux qui va ressortir. Ouais. En sachant que les deux jeux sont euh, maintenant euh, compatibles next-gen. Voilà, vous aurez ouais, le plaisir ouais. de pouvoir les passer à quasiment 60 fps. Voilà, hey, 50 Et en 1080p, pas hein, <laughs> en 4K, faut pas déconner <rire> <non> <rire> plus, On ouais. va 30 dire en résolution d'une. Résolution. 30 000 rats en résolution dynamique, comme on dit. <laughs> euh... De 720p. <rire> <rire> Mais 60 fps, alors fermez vos gueules. C'est bon. 60. Voilà, 60. Voilà. D'ailleurs, ce n'était pas le cas du Requiem à sa sortie. Maintenant, il tourne à 60. Oh, incroyable. incroyable. Euh... Mathieu, de ton côté. Euh, alors moi, j'ai vu pas mal de films ce week-end. Il y avait un petit festival à Metz. Euh, et donc, j'ai pu découvrir en salle le film Hundreds of Beavers. Qui est un film que j'avais entendu parler vraiment vite fait, comme ça, sur les. les j'avais entendu sociaux, parler de Guillaume, Guillaume, tout. il avait fait un, 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 un pro-tweet à et chaque Guillaume, fois. Il, il est pas il euh, genre, enfin, je hein. pense qu'il ne le dit pas, mais il est RP sur le film. Ah oui, oui, je pense, oui. Ouais. Non, c'est sûr. Et ben bah, écoute, du coup, euh, j'y suis allé le dimanche matin, c'est la seule séance que j'ai fait le dimanche, et parce que je voulais vraiment le voir en salle pour voir un peu ce que c'était. Je sais pas du tout ce que, ce que racontait ce truc. Et donc j'ai enfin, eu la surprise de découvrir que c'était euh, bah, une sorte de gros ouais, slapstick, euh, grosse comédie, euh, muette, en noir et blanc, qui raconte l'histoire d'un apprenti-trappeur qui doit essayer bah, du coup de survivre euh, dans un environnement enneigé en chassant du coup différents animaux, dont euh, les marmottes. Euh, et qui sont interprétés par des acteurs en costume. Ça, c'est incroyable, ça. Et... Je trouve ça ouf comme idée. Ouais, c'est vraiment une super idée. Hein, ah ouais, putain, et... et en plus, ça marche extrêmement bien. Mais vraiment, une fois que tu vois les trucs, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont, par rapport à l'ambiance du film, ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, c'est crédible. À aucun moment, tu te dis, bon, bah voilà, tu sors du film parce que ça paraît ridicule ou parce que ça marche pas, etc. Et il y a. Euh... Je ne sais pas combien d'idées de gags euh, à la minute. Alors des fois, il y en a qui ne fonctionnent pas forcément. C'est tellement bien foutu visuellement. Parce que tout a été fait sur fond vert. Enfin, il semblerait que ce soit vraiment un petit budget et tout. Mais c'est blindé de bonnes idées. Euh, je me suis vraiment fendu la gueule pendant une heure et demie parce que as des trucs mais complètement, euh, complètement dingues. Il y a, y a des idées de... de c'est un peu Bibi et le coyote en fait, mélangé mmh. avec plein d'autres trucs. Euh, donc il y a la des pièges. 30 000 marmottes à l'écran, d'ailleurs. Ah, 60 60 ouais. À un moment donné, <laughs> il y a costumé, vraiment plein, plein de marmottes. En 4K. Tu as de voir le plan dans, dans Independence Day où tu as tous les extraterrestres filmés de loin. C'est un peu pareil dans Hundreds of Beavers, ouais. tellement <laughs> c'est impressionnant techniquement. Mais, ouais. même, mais même si le budget n'est pas forcément élevé, dans la façon dont c'est fait avec le noir et blanc et dans la ouais. mise en scène, à aucun moment tu te dis le film est fauché parce que le gars qui joue le, le trappeur, il est à fond dedans. Et puis ouais, c'est vraiment blindé d'idées quoi. Et c'est rare, enfin c'est de plus en plus rare en ce moment que je sorte d'une salle de cinéma en me disant putain j'avais jamais vu ça. Euh, ouais. Ça non, fait vraiment bizarre, du bien non, de voir cool, quelque ouais, chose un comme ça. C'est vrai que ça arrive sur Filmo d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. ouais, le 30 ouais. et Il y a une édition. J'ai vu ça sur Twitter, on m'a on m'a dit ça ou c'est un commentaire, je sais plus où qui, On m'a indiqué qu'il y avait aussi une édition DVD qui était en financement. Je n'ai plus l'éditeur euh, là en, en tête, mais en tout cas le, à partir du 30, vous pourrez le regarder sur Filmo euh, et je vous encourage ouais. vraiment. Euh, en plus, c'est un film familial. Moi, je m'attendais à un film d'horreur à la On con. Va la peut sortir Beaver, chez... en fait. Ça va peut-être sortir chez Spectrum Film. Voilà. 120 euh, euros le Blu-ray 4 k D'ailleurs, ce qui passe, c'est si tu mets le Blu-ray 4 k dans ta PS5, qui te demande est-ce que tu veux le mettre en, 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 forfait, en, en format dynamique <laughs> ah, oui. Est-ce que tu veux qu'on crée de la couleur pour ton film <laughs> Bien sûr. Mais voilà, je vous conseille de regarder en tout cas Android of Beavers euh, qui bah, va être dispo dans pas longtemps. Voilà. Ah, donc, Android of Beavers. Euh, Manu de ton côté moi j'ai fait une luc j'ai trois recos mais il y en a deux qui sont liés. Okay. La première c'est que a... j'avais dû vous parler pff, il y a un ou deux ans enfin une des dernières saisons de l'animé Harley Quinn. Oui. oui. Sur euh, du coup qui est dans le Pass Warner je sais plus où est le Pass Warner maintenant mais qui est dans le Pass Warner. Bon, dans ah, la... HBO Max, dont euh, Max sur Canal Plus. Ouais. Dans la prochaine saison arrive bientôt je crois au mois de ou bon, un truc comme ça. Il y a un spin-off sur le personnage de Kaitman du coup qui était un personnage secondaire de la série quand il était avec Poison Ivy dans les premières saisons et qui euh, du coup n'est plus et à son spin-off de 10 épisodes qui est du coup sorti sur le même euh, sur Max aussi euh, et c'est vraiment dans la même ambiance de, que Harley Quinn avec euh, mélange de humour, violence et, et euh, dépression bon, dépression, émotion quoi okay. euh, vraiment en plus avec, il euh, y a le personnage de Bane qui est en régulier du coup si vous avez aimé Bane dans Harley Quinn c'est le même euh, donc voilà, et les deux autres c'est de l'animation aussi, et c'est les deux euh, très liés, puisque c'est les Tortues Ninja, j'ai vu euh, enfin le film sorti l'année dernière, ah oui. ah ouais. le reboot au ciné, mais en animé euh, très inspiré au niveau de l'animation de Into the Spider-Verse, un, ouais. un truc entre ça et Arkane, quoi. Et, euh, et que, qui était très bon, c'est du coup il est, pro il est produit et écrit par euh, Seth Rogen et Evan Goldberg. Et euh, si vous êtes pas trop, enfin euh, si vous pas trop les tortues ninja, ça se concentre un peu sur des mutants. Il y a très peu de, de la mythologie euh, classique. Il y a pas Shredder, il y a pas de ninja, il y a rien d'autre que et des un, mutants et des tortues. Un peu de teasing quoi. Ouais. Avec euh, avec de la de la réinvention de beaucoup de personnages, du coup, c'est hyper intéressant, hyper fun. Et ben bah, il y a la série animée qui vient de commencer, la série dérivée qui s'appelle Tales of the ninja tortues. Qui vient d'arriver sur Paramount Plus. Alors c'est déjà sorti aux États-Unis et ça arrive euh, semaine, à, à la, enfin à la semaine depuis trois semaines, je crois, en France. Donc on n'a pas encore tout en France, mais euh, sinon tout est sorti euh, euh, là est où vous. Ça savez. Il y a un jeu. Il y a un jeu aussi qui. Il y a aussi un jeu ouais, qui sort. Euh, ouais. Ouais, ouais, ok, donc ça explique ça. Un, un ça, ça des, ça, des ça. meilleurs ouais. rôles récents de Jackie Chan. Hein, je crois qu'il fait Splinter dans. tes. <laughs> ouais. Mais du thème coup, qui n'est pas dans la série animée et parce ouais. que je crois, les autres voix c'est les mêmes voix. Et mais c'est géré in story de. Il parle pas pareil. Ouais. Mais euh, c'est très fun et bah, du coup, c'est dans la continuité du film, c'est euh, quelques semaines après avec des conséquences du film et leur violiser, sinon quoi. Ok, donc le film Tortue Ninja, donc film animation, la série. Qui va sortir sur Paramount Plus. Euh, okay, et, et, cou... et, ah, voilà. et Sinon, Alors, vous, êtes, euh, Max. vous êtes hypé par euh, Karate Kid Legends euh... voilà. non. Ah. Je, je vous rappelle qu'on n'avait pas détruit ce film à l'époque, hein, quand on avait parlé non. de la version avec Jadon Smith ici. On non, même tu pas détruit. Tu ne l'avais pas détruit pas Manu non, plus, hein. Manu non plus Manu hein. non plus non non plus ouais, ouais. mais ouais. le fait d'avoir les personnages du reboot et de, de l'Oriel dans le même univers du coup c'est ah c'est chelou. chelou mais ouais. en même temps plus... ça peut se passer hein mais j'ai surtout l'impression qu'ils sont battus les... la race de Cobra Kai dans l'histoire ouais. je crois que c'est ouais, 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 qu on voulait ou... en lui ou... mais je crois que c'est censé être intégré hein enfin personne au casting en tout cas il y a bah Mathieu. y a il y a quoi mais c'est pas le personnage le plus intéressant de ah bah non non pas du tout carrément pas non, et c'est complètement ouais. con parce que c'est quand même Cobra Kai qui a ramené la hype Karate Kid qui Oui, vraiment pas en euh, fait Cobra Kai c'est mieux en plus que Karate Kid ouais, euh... ouais on est d'accord ah. indéniable indéniable oui. ok euh, donc Karate Kid aussi euh, c'est quoi c'est 2025 ouais c'est ça la sortie c'est en 2025 ouais, 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 Karate ouais, Karate fucking, fucking cinéphile qui nous dit que c'est pas canon avec Cobra Kai ah ouais euh, ça, là, 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 de, là, là ça ça prend complètement n'importe Ça très complètement très con mauvais mauvais très 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 con euh, OK, oui. bon écoutez moi j'ai pas de roco à part euh, j'ai fait j'ai testé la rocco. je peux faire une roco sur la roco. J'ai testé la roco de Mathieu euh, de la semaine dernière sur le jeu euh, Mouthwashing euh, Muf mouth Watching, mouth Washing, et c'était euh, c'était c'est vraiment pas mal hein. c'est un petit jeu d'horreur hein, qui mélange Alien et, et Neon Genesis Evangelion. Et c'est vraiment stylé hein. pour, pour le coup, j'ai vraiment euh, j'aime bien la narration un peu un, un peu confuse, euh, les moments de flip, mm. les moments de tension ou... enfin, vraiment en tant que moment de tension et moment de flip, hein, ça marche mieux qu'un certain jeu dont j'en ai déjà parlé. Et, euh, et c'est vrai et c'est plutôt intéressant c'est intriguant en fait c'est intriguant parce que t'as envie de continuer même si es, bon. là t'es es, 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 es comme ça t'as envie de continuer c'est vraiment très très bien c'est vraiment un super jeu euh, écoutez on va pouvoir finir l'émission merci Marvin merci Manu merci Mathieu merci à vous et merci, merci à vous dans le live d'être resté jusqu'au bout et merci de nous avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon hein, avec un avantage quand même indéniable l'épisode ava en avance sans coupure donc sans dans les deux parties et sans publicité avec les contenus exclusifs comme euh, le react qu'on a fait sur, euh, sur le making of d'Impact de, de, de des loups euh, ouais, les grand tier list très grand, 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 très, très grand moment très très grand moment il euh, y, a, y a un pétage de plomb à un moment donné c'était assez ouf ouais, euh, les épisodes exclusifs aussi également les épisodes qui ne sont jamais écoutés dans le, dans, le, dans le flux principal voilà vous pouvez nous suivre enfin vous pouvez nous, nous, nous donner euh, 3 euros 5 euros ou 10 euros Euros et vous avez différents bonus. L'argent. Parce que l'argent, ça fait quoi Ça nous paye les enfants, ça nous paye, ça nous fait un salaire. Euh, parce qu'il ne faut pas déconner quand même l'engagement que ça prend. Et on remercie les nouveaux donateurs cette semaine. On remercie David Moser on remercie Thomas Canté, on remercie EMC et on remercie Golem Passif. Et on remercie Merci. également le Hall of Fame, Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Joël Cassès, Owal The Griff Keeper, Rustin Blue, David Entreligator et Gandhi qui ont tous payé 10 euros pour avoir le remerciement éternel et également les stickers qui ont été envoyés à leur adresse directement. La semaine prochaine, on parle, si je dis pas de conneries, de Jennifer's body. Jennifer's Body Jennifer's Body voilà pour, pour fêter Halloween on va parler de le film dit de genre de... Hein, on adore ça le film de genre euh, bon, le podcast. Ah ouais, c'est génial podcast@.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Blue Sky Instagram TikTok et sur notre Discord n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Twitch où on a les lives euh, bah, de Shitlist hein, qui sont tournés hein, si, si vous êtes intéressés pour voir nos têtes nos magnifiques têtes et également des fois des pics des, 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 des gaming hein. ça dépend après le programme ça peut arriver selon les arrivages de jeux et et, euh, Youtube hein, si vous voulez euh, voir en le, 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 le VOD le live et bien sûr n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify hein, ne faites pas euh, des mises à jour de vos commentaires à la con hein, parce qu'il y en a un qui s'amusait <laughs> à faire son troisième mise à jour il me, Alors, lui, me déteste il ah, me ouais. hait mais un il, écoute. Ah, il non, écoute mais il continue d'écouter est-ce qu'il fascine Merci. Non, mais je veux bah, dire merci. En fait, euh, bah, ah non, mais... mais vraiment, sincèrement, merci. En fait, enfin, bah, j'ai découvert je... <laughs> ouais, je, 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 je découvre les mises à jour de commentaires et quand même des mises à jour, ce qui veut dire quand même que le gars, il, il écoute quand même. Et il met une étoile, mais il écoute quand même un podcast, une étoile. Il était passé de trois étoiles, il est passé à une à un moment ah donné. Bah, C'est un mec que... qui, avait fait une, euh, qui avait fait une remarque sur la vapoteuse d'un homme. Bah, fra franchement, un, un... comparé aux gens qui review bomb en mettant des étoiles sur des trucs qu'ils n'écoutent pas, le mec met une étoile en écoutant. Au moins, il écoute. Je, je trouve pas. ça honnête. Non, et en vrai, sincèrement, merci parce que. Bah, il est quand même vachement fidèle, quoi. C'est euh... vrai. Ouais, parce que il ça fait, fait un euh... an, je crois. Ça faisait un an, le bordel. Ça fait, ça fait presque un an qu'il me hait. Et du coup, bah, on l'accroche d'une certaine manière. Il reste. Merci ouais, à toi. Il il voilà, moi, est... je ne te déteste pas. Il voilà, n'y a pas de problème. Il voilà. n'y a que de l'amour chez Marvin. Merci. Merci. Voilà. Mais il est payé à la prime de gentillesse. Hein, euh, Merci. Vous savez. Voilà la prime de gentillesse, euh... bien sûr. Toujours là. <rire> Merci. Merci. <rire> et, <rire> voilà. et voilà. Écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour Jennifer's Body. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. C'est copyright 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on la pas acheté. copier pas, l parce pour là, pas Copyrighté Copyright à tes copier à tes

Copyright, 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté C'est copyright